bien. Et Parisien qui est là. Parisien ou rien. Au moins, on sait. D'ailleurs, comment ça va Paris en ce moment-là? Je crois que le week-end dernier, il n'y a pas eu Mbappé qui nous a mis un triplé, là? Je crois que j'ai juste vu passer l'info. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Je pense que Parisien, il va bien quand Paris va bien. Hein? Je pense que, en tout cas, ça doit être une bonne source de bien-être. Bon alors, moi, il va falloir que je m'y remette. Parce qu'à chaque fois, je mets 2 semaines d'intervalle entre les différents gameplays. Je crois que là, le but, c'est d'aller à la cantina. Ça va bien. On repasse premier au classement. Ah, je sais bien, ça. Exactement, mon humeur dépend du PSG. Ben voilà. Donc là, ton humeur, c'est top 1. Parce que classement 1, quand ils sont deuxième, troisième, là, c'est... Ouais, c'est divisé par 2, par 3, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Le saloon. Ah, potential customer. What'll it be? Nothing. Thanks. Oh, well, that's a mistake. I'm looking for an old friend. Forearms. Harry. Big mouth. Ow. Vertically challenged. You can come out now, old boy. The coast is clear. I tell you, Monk, the Bedlam Raiders are gonna be the end of this town. We got no hope. Zero. Zilch. Nothing. How you doing, BD? Wait a minute. Cal. Cal, get over here, you son of a boggling. Oh, it's been a while. I missed you, kid. Hey. Let me look at you. You look terrible. Yeah, it's good to see you too, Grease. Hey, are you taking care of him? Are you taking care of the Manis? Well, we ran into some trouble on our last job. What sort of trouble? The Imperial kind. Well, yeah, I should have guessed. They've been creeping around Kobo too lately. Gyro's burnt out on the Mantis. We'll need your help to get moving again. Yeah, sure, whatever you need. Come on, grab some seat. Listen, Monk, get my friend something special to drink. Refreshments. One slippery Monk, coming right up. Welcome to Pylude Saloon, the finest dive this side of Zeltrout. Yeah, your description didn't do it justice. Yeah, sand in your eye. Monk and I picked it up from the previous owner through a... Well... He caught a fatal case of blaster poisoning, courtesy of the Bedlam Raiders. We've been introduced. You okay, Grease? Oh, yeah, sure. As long as I don't have anything they need. Hey, what happened to the Manis? Oh, we are on Coruscant, gathering intel for Saw Gerrera. Things got bad. Only two of us made it out. Everything I'm doing feels pointless. The Empire's only growing stronger. Things, haven't been the same since the team split up. Yeah, hey, we had some good times, didn't we, huh? Me, you, the Space Witch, Seer. Have you talked to her lately? En fait, on sait pas ce qui s'est passé. Marin's always on the move, exploring new places, making new friends. I was talking about Seer. No. It's been a while. You? Well, her credits helped us get this place off the ground, but she hasn't visited yet. She's very busy with this new project. Hey, Gal. Why don't you relax a little before we fix the Manis? The galaxy can wait a couple hours. Well, we should probably get moving as soon as we finish up. I got a spare room down in the basement made up especially for you. You should check it out. All right. Thanks, Grease. Franchement, je suis impressionné des grab some seat. Je suis impressionné des expressions comme c'est naturel. Tu vois le mec qui est là, il hausse un peu le sourcil. C'est hyper naturel. Tu sais, c'est des genres d'expressions que tu pourrais retrouver. Et je trouve que là, ils ont fait encore un pas supplémentaire vraiment dans les expressions naturelles
humaine dans le jeu vidéo. Là, c'est une des premières fois que je vois ça, en fait. C'est... Je trouve ça bluffant. Même des jeux qui sont bien faits, comme The Last of Us ou autre, eh ben, je retrouvais même pas ça. Alors que là, Cal, de près et tout, tu vois l'expression. Je trouve ça assez fou. Oh, Scan, cette musique. Ah, mais je suis content de te voir, mon petit Scan. Tu m'avais manqué. I love it. Et what's up? What's up, c'est... Qui l'a fait ici, le jeu? Bon, Scan, je te pose pas la question. What? Oui, tu l'as fait. Combien de fois, ça? Mais Parisien, tu l'as fait, ouais. Ced, par contre, je pense que... Je sais même pas si t'as la console... Je pense que t'as dû voir des gameplays, ou alors je sais pas. Je te donne de mes nouvelles. Ma vie, c'est toujours pourri. Ah bah. I love that music. I can't tell you why for now. Oui, ah. Tu peux pas... Ah, ok. Donc, il y a quelque chose... Non, bah écoute, pour ta life, Scan, tu m'envoies, désolé, évidemment. Mais c'est sûr que ça se règle pas, en fait, du jour au lendemain. Et surtout, si je peux te donner un petit conseil, c'est pas le genre de chose aussi qu'on peut se dire, bah tiens, je vais le changer, il faut que je le change. Parce que dès que ça devient une trop grosse nécessité, ça devient hyper stressant, en fait, mentalement. Physiquement aussi, tu t'épuises. C'est juste un processus lent. Il faut reprendre... Je sais pas, après, tu sais, les détails sur ta vie, hein, et puis on n'est pas là pour parler de ta vie non plus. Mais bon, ça, je t'apprécie, donc c'est important pour moi quand même. Mais voilà, si je devais te donner 2-3 petits conseils, c'est en priorité, je sais pas, comme je te dis, les détails, mais le mieux, c'est de reprendre, tu vois, petit à petit, des bonnes habitudes par rapport à ta vie de manière générale, sur ce que toi tu penses qui est bon pour toi, pour ta vie. Il faut pas genre trop tout changer drastiquement. Il faut y aller petit à petit, et petit à petit, ben, d'un cercle vicieux, tu vas passer en cercle vertueux. Voilà. Ok. Mais c'est cette musique là que t'aimes bien? C'est la musique de la cantina? Monk. Série des années 90, ah non merde, Monk est le droïde barman de Pailun Saloon et le partenaire commercial de Grise. Armé d'une connaissance encyclopédique des boissons, il garde un œil sur les fauteurs de troubles. Not that one, I mean this one is cool too, oui. Toi tu traînes un peu trop avec Claude, je trouve, hein. Maintenant ça y est, tu parles en anglais. Ça me dérange pas moi, mais... We can speak in English, but I think people will be lost. So, we better continue speaking French. On peut continuer de parler français. Alors, ok, donc là, faut que j'aille dans l'arrière-boutique en haut. Après, est-ce que je dois parler à tout le monde? You don't look like a raider. Scan me dirait oui. What gave it away? No blaster in my face, no spilling drinks and shouting bloody murder. Oh, cute droid too. That's BD1. I'm Cal. About dang time we had some new faces in town. I'm Zig, by the way. Nice to meet you. Bon, Cal, on n'est pas là pour draguer, donc on continue. Ah ouais, d'accord, en plus tu as des infos après, d'accord. Je parle trop avec Chloé, effectivement. Ramène-la, là. Fields of Dusk is the best music in this game. Beside another one, I can't tell you why, though. Mais oui. Soon. Soon ou pas soon, hein, tout dépend. 2039, on y est encore, enfin, on sait quand. There's the kitchen. T'as les détails. Basement must be through here. Les portes, elles font peur quand elles sont... Ah ouais, c'est... Oh là là, ils ont vraiment détaillé les trucs, mais c'est... Ah, il y a une ambiance, hein. Tu peux presque sentir la poussière sur ta peau. Tu peux presque te sentir un petit peu étouffé, tu vois. Ressentir la claustrophobie, là, autour de toi. Ouais, non, c'est franchement cool, hein. L'éclairage et tout. Wow. Ouais. Grease really outdid himself. Je dis vraiment comme... On dirait la...
Ah ouais, non, ouais, bon, c'est la cantina de Maz, mais... j'allais dire, tu sais, les sous-sols, là. D'accord, de nouveaux personnages, de nouvelles conversations. Ah ouais, le truc, c'est un réseau social, en fait, à l'intérieur. Faut aller parler à tout le monde et tout. Alors, on va pas utiliser l'établi. Alors ça, c'est notre espèce de... base. Et salut, Barklord. Content de te voir, comment tu vas? Donc on peut se détendre, on peut prendre un bain, on peut aller aux toilettes. Ah non, attends, ça c'est quoi ça? Examiner. Grease always had a green thumb. You know he talks to his plants. On va se détendre, non? Bien, hein? On vient de commencer le live. On est déjà fatigué, hein, de toute façon. Faut se détendre. T'as l'animation et tout. Alors franchement, c'est... ouais, c'est un des jeux les... je peux le dire, hein, c'est un des jeux les plus bluffants, je trouve, sur côté réalité, quoi. Still talking réaliste. In your sleep, huh? Yes, some things never change. Bah, attends, tu te réveilles, tu vois ça, là? Hairball. Putain. Il est ouf, le mec. Thanks for letting me crash here. Of course. Why do you think I've kept your stuff around all these years? I was hoping you'd stop by and maybe take a break. We both know what happens when I stay in one place too long. You said there's a spare gyro around here somewhere? We've got même la synchro labiale. Fix the manage. You are what I want to talk about. I'm fine. The sooner we get moving, the better. And then what? You're going to go find some trouble with Saul Guerrera? Maybe. Yeah. One of us has to keep fighting. That's funny. That's the exact same thing you said the day we all split up. Yeah, because I... listen. I know you all had your reasons for leaving. But walking away isn't an option for me. I have to hold the line. And where's that Ganya, Cal? I wish things were different, but you keep losing people. And you yourself said that the Empire's growing stronger every day. Now maybe it's time for you to be something more than a lightsaber. Think about yourself. Settle down, find a home. What? Home, Grease? There is no home. Home was the Order. It was my teacher. It was everyone I lost. What does their sacrifice mean if I go and I just give up and stick my head in the sand? I know you were dealt a bad hand, but you gotta take it from me. Somebody who had to learn the hard way. You gotta know when to walk away from a rigged game, otherwise you are gonna end up losing something you could never replace. J'observe le... c'est fascinant à observer. Les mimiques, les expressions, même la respiration des fois. Faut qu'ils reprennent leur respiration pour parler et tout. Now you go ahead and look. I keep a lot of spare parts down there. I'm sure you'll be able to find whatever you need to get the Mantis up and running. Thanks. Appreciate all this. Kyle, can I tell you one thing? It's really good seeing you again. Yeah, you too. Mais moi, j'aimerais me poser là, regarder le film. Think about what you said. Pas besoin de jouer, ça avancerait plus vite. Hey, watch your step down there. Be careful. I definitely have a pest problem. Ouais, et puis même la transition, regarde ça, entre le gameplay et la cinématique, quoi, t'as aucune coupure, quoi, comment ils font, quoi, comment ils ont fait? Super, et toi? Bah oui, écoute, tout va bien, vendredi soir, début du week-end, Jedi Survivor, avec vous, comment ça peut aller mieux? Graphiquement, ce jeu est la grosse claque, ah bah ouais. Grease qui réveille Cal de cette manière, c'est une ref à JFO. Ah, je me souviens plus. J'ai pris l'habitude à force. Ouais, bah, je me doute. C'est pour ça qu'il n'était pas autant. Dommage tout le drama qu'il y a eu sur le jeu, car je suis certain qu'on lui a rejeté des nominations au Game Awards pour ça. Ah ouais, il y a eu des dramas?
Genre Best OST, pourquoi il est pas nominé, ouais. Cette scène est extrêmement importante à mes yeux. Elle sous-entend tellement de choses, ouais. Bah là, j'ai l'impression qu'il comprend des trucs. Et il est peut-être un peu, il va être peut-être un peu moins borné, il va écouter les choses. Est-ce qu'il a, parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, l'équipage s'est séparé, certainement par rapport à un truc qu'il a dit ou un peu son mindset, son état d'esprit. Et là, lui, il lui dit, ouais, mais écoute, si tu veux pas le perdre une autre fois ou si tu veux pas perdre des gens importants une autre fois, pense à peut-être penser différemment, agir différemment, et là, ça, c'est peut-être ça qui l'a fait grandir et qui fait que pour la suite du jeu et de l'histoire, ça va être mieux, quoi. Le Mantis arrive de justesse sur Kobo avec tous ses systèmes défectueux, il se pose en catastrophe dans un canyon poussiéreux, bien loin de la principale colonie de la planète où Grise a ouvert une cantina. En chemin, Cal et BD-1 sont attaqués par un gang local appelé les Pillards du Chaos. En arrivant à l'avant-poste, Cal défend les habitants contre le chef des Pillards, un Jedi, c'est pour pas dire Jedi en fait, nommé Raivis. Ce jeu, c'est l'un des seuls que où refaire le jeu une seconde fois, c'est une toute autre expérience pour un jeu linéaire. Ah ouais. Sur le plan scénaristique. Après, oui, parce que je pense que tu redécouvres des trucs. Après, jeu linéaire, là, est moins linéaire que le premier, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Donc là... Bon, oui, je dois retourner... Bah, de toute façon, je suppose que je dois retourner au vaisseau pour aller le réparer, quoi. Where'd you find this old console? I didn't steal it, if that's what you're asking. Kobo ain't exactly a bustling trade route. I stripped an old clunker in the gorge for parts. Alix 7 à 7 cordes appartenait autrefois à la Jedi Serge Junda. Junda, qui composait de la musique avec, grâce à la psychométrie, qu'elle était également capable d'en jouer. C'est peut-être pour cela que Serre lui a laissé après son départ du Mantis. What Sears Halixet doing here? I don't remember. After we all split up, I was unpacking it. There it was. Maybe she was hoping you'd learn. No, thank you. Bon, en tout cas, c'est une vraie galerie le machin. Je peux pas dire pourquoi, mais en revoyant les cinématiques après l'avoir fait, tu redécouvres les scènes avec une vision différente. Je peux pas dire pourquoi, mais ce jeu t'a vraiment donné ce feeling. Bah, ouais, il y a beaucoup de... Même dans les films, tu sais, des fois ça arrive... Il y a des choses que tu découvres la première fois, puis après, il y a des choses que tu vas voir... tu vas voir différemment une deuxième fois parce que tu connais déjà ce qui va se passer. Les Star Wars, de manière générale, en sont le parfait exemple, hein, d'ailleurs. Ici, qui c'est que c'est ? Du-du-du-du ! My old scrapper outfit. Why did Grease keep this ? Hein ? Génial. I know. On se l'a joué à la Zelda, quand creepy. Même. Hein. J'entends comme si une porte s'ouvrait, mais elle s'ouvre pas du tout. C'est un bug ou... Bon. Bon, de toute façon, je dois aller là. Ouais, ok, merci. Ouais, non, mais j'ai vu dans la cinématique qu'il m'a dit... passe par là. Mais là, à mon avis, ça sent peut-être pas très bon. Oh, vas-y, on va faire de la lumière. Ah oui, la porte derrière. Old smuggling tunnels, huh? Breeze always kept a few secrets up his sleeve. Attends, c'était un locha ou... Enfin, ça, c'est un truc... Ah non, c'était un poulet, là. Le poucha. Yeah, let's see. Sans issue. Une voie sans issue est une voie sans issue. Merci. Non, je plaisante. L'un des nombreux tunnels qui passent par le Pailoun Saloon, avec la proximité de l'aire d'atterrissage, ce passage devrait être idéal pour faire entrer et sortir clandestinement des marchandises dans la cantina à l'abri des regards indiscrets. Bogling, d'accord. Je les adore. Et l'autre 4 aussi. Bon, je préfère les autres 4 quand même.
Ah oui, t'as un casque, ok, d'accord, ouais, t'as réussi à l'entendre comme ça. Oui, non, le lot 4 quand même, hein. Parce que bon, les chalets ou les pouchas, bon. Ouch. Ah bah oui, mais meurs pas aussi. Bon, t'es pas beau, mais je t'aime bien quand même. Boglings. Are these what spook Grease? You're okay, bud. Have you been spooking Grease down 4, here? Super Android, même toi tu dis ça? Wow. I don't bite, I promise. Ah oui, quand même. Ah bah tiens, allez hop, trophée parce que j'ai pète un Bogling. Bon. Je les aime un peu mieux alors. Tu me donnes des trophées quand je les caresse. Pas même l'eau sur la les remparts. Bon alors je ne sais plus me battre, hein. Ok. Attends, mais si à chaque fois que... Elle est un peu chiante cette technique parce que ça veut dire qu'à chaque fois que... Si jamais je me... Ouais, c'est un peu bizarre, non? Par contre, ils disent, moi dans ma technique, je peux lancer. Bon, quand. Aïe! Quand j'ai de la force, je peux lancer mon sabre et après en rappuyant sur le triangle, il peut le relancer. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait qu'une fois. Ou j'ai peut-être pas assez de force. Je sais pas. Dévoreur. Originaire de la planète Kobo, les dévoreurs sont souples et agiles. Ils ont appris à traquer et à acculer leurs proies avec une efficacité redoutable. Les autochtones les connaissent sous le nom de chasseurs. Les dévoreurs sont d'un naturel prudent et ne frappent qu'une fois sûrs de leur coup, se jetant sur leur proie avec leurs griffes acérées et leurs crocs mortels. En tout cas, ce retrait du Discord me fait le plus grand bien. J'ai plus de temps à consacrer à moi-même. Eh bien, écoute, c'est ce qu'il faut. Tant mieux, et je suis content de l'entendre. Parce que bah, parfois, bah, oui, on se consacre à quelque chose, on se consacre à des gens, on se consacre et bah, on se laisse un peu de côté. Donc bah, parfois, se retirer d'un endroit, bah, ça permet de se rééquilibrer avec soi-même. Et puis après, ça, c'est arrivé déjà dans le passé à d'autres personnes. Et ce que j'ai remarqué avec le temps, ce qui se passe, c'est que tu vois, c'est une espèce de jauge comme ça, tu vois. C'est je m'occupe pas assez de moi. Et donc, tu prends du recul pour t'occuper de toi. Et puis après, tu as envie de revenir avec, tu vois, les gens du Discord ou ailleurs, quoi. Et puis après, le but, c'est de trouver a balance. Tu comprends, un équilibre, tu vois. Et après, tu vas réussir, peut-être, hein, je te le souhaite, peut-être de revenir sur le Discord ou refaire des trucs voilà, bon, qui te prenaient du temps avant, tout en pensant à toi et en, tu vois, pas en t'adonnant trop à quelque chose et en te délaissant, quoi. Maintenant, c'est Claude qui consomme tout mon temps. Ah oui! Ah bah là. Oui, bon, bah c'est sûr que si t'as compensé par un bouffage de temps, par un autre bouffage de temps, tu vas pas t'en sortir. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la force, non? J'y ai plus, moi. Ah non, c'est de la. Ah non, c'est les. Oula! Ah oui, d'accord. Ah, c'est des compétences. Ah, très bien. Bon, alors là, par contre... Ok. Wow. People around here, bud. Nobody's used these tunnels for a long time now. Dusty and abandoned. Scanon. More scraps, huh? Leave it to Grease to take another person's junk and add more junk. Ah, il y a une atmosphère quand même. Donc là, c'est là où on était. Très bien. Pourquoi on peut pas, genre... Ça, c'est mon habitude de Genshin, mais... Pourquoi on peut pas, genre, jeter et puis avoir notre sabre, tu sais, qui fait comme une hélice, comme ça, et puis... On descend comme ça. Mais c'est pas les Inquisiteurs dans Rebelle qui font ça, là? Je sens que oui. Alors toi, normalement tu fais ça que quand t'es sûr de ton coup. Mais ça a raté deux fois quand même. Ouais, moi j'ai le truc de laisser appuyer sur la garde. Et ce qu'il y a, c'est qu'avant, même en appuyant sur la garde, j'appuyais des fois sur carré. Mais là, il fait ça du coup. Donc
Donc si je suis à côté d'un précipice, c'est pas mieux, quoi. Ouais, du calme. Ah, attends. On peut l'ouvrir ? Ah bah oui, non mais je me disais aussi, ce serait vraiment trop facile. Scanner. Oui ben. Bah, scan mon bidi. Ah mais merde, c'est R3. Oh. R3, allez, on va y arriver. Qu'est-ce que c'est ? Ça allait ? Ah, c'est pour réparer. Qu'est-ce qu'il est beau, Billy. Ah bah oui, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Oulala. Allez, temple site, c'est parti. Les temples sites, en général, c'est très très loin sous terre. Là, oulala, ça va pas faire du bien, quand même. Never look when you can leap, hey? Temple site, oh non, mon pauvre, t'es pas prêt. Ah bon. C'est jamais. Sooner we get to Greece, the sooner we can. We should check this out. Mm-hmm. Ok, bon. Focus. Bienvenue dans le tombeau de Darfreva. Non, t'es sérieux? Arrête. Oui, ben là, je me disais. Heureusement que tu. Non, parce que tu me connais, moi, je peux tout croire. Almost reminds me of the Jedi training grounds. Ah ouais. It feels different. Older. Terrain d'entraînement des Jedi. Ouais. Mais ça a l'air vachement bio quand même là. C'est du co-bio sous terre là, carrément. C'est très intriguant. En même temps, plus flippant. Ouais. Hop. Petit saut mural. Let's go. It's a me. Calme, Kestis. What is this place? Ah bah alors ça, mon petit. On ne sait pas encore, mais petite musique là. Sympa. Oh là, mais attends, mais ça brille de partout. Let me see. Allez, dis-nous ce que c'est, Bidi. Catastrophe. D'immenses formations rocheuses sont tombées à travers le toit, se sont écrasées dans ce sanctuaire souterrain. Signe d'une activité sismique intense au-dessus du sol. Attends, mais tout brille. Oh, mais attends, mais c'est bio. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Power still running down there. Let's see if we can hit the lights. Mais les environnements, ça a rien à voir. Alors le premier, hein? Attends, le premier. Bon, le premier c'était déjà beau, hein? Mais là. What's that? Putain, Clou, elle va te détester. Je crois. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Espèce de bonhomme. Allez, allez. Eh, hey, de toute façon, je lui ai dit de te ramener, donc. Bah, il a fait son. Bah, il fait son job, quoi. Je suis un bonhomme parce que la caméra elle est au-dessus, c'est ça? Ah, j'y peux rien. Tout là au-dessus, là. Regardez de haut. Careful, BD. Avoir des visions. La Haute République, t'es sérieux? La Haute République. Non, ils ont fait ça? La Haute République fut une ère d'expansion. Ah ouais, mais c'est vrai que ça ressemblait. Enfin, ça, c'est ça. Tout ce qu'on voit, un peu les vestiges là. Enfin, les vestiges, les débris, enfin, les décombres. Ben, ça ressemblait à un truc un peu noble quand même. Tout. Pourquoi j'ai pas pensé à la Haute République purée? Les Jedi contribuant à la découverte de la galaxie et à l'intégration des planètes volontaires dans la communauté galactique
Les dangers qui se trouvaient à la limite de leur compréhension constituaient cependant un défi permanent. Comment ça, tu utilises des gardes maintenant pour me ramener ? Ah bah, c'est pas un garde, c'est un droïde. Donc après, bon, après il m'a dit que du coup, ben, tu lui prenais tout son temps, donc je lui ai dit, ben, de deux choses l'une, on va la faire venir ici, comme ça, ben, elle consumera autant son temps que en plus, ben, elle fera signe de présence. Donc, ben, c'est deux choses l'une, quoi. Salut Pépou. Oh mon dieu, I'm on top of you. Le gros spoiler du codex. Ouais, ouais, j'avoue. J'ai d'autres chiens à battre, donc je me casse. Oh, t'as vu comment elle parle, ta Clo, là? Franchement, moi, je l'éduquerais mieux que ça. Hein. Moi, je l'éduquerais mieux que ça. Enfin, là, je suis pas trop fier de toi, Scan, hein, parce que... Enfin, après, c'est peut-être elle qui t'éduque, tu sais, vu comme... Enfin, je la connais, quoi. Je sais pas si ça s'éduque comme ça, une Clo, quoi, donc... Mais attends, Haute République. I'm sorry it has come to this. Will it be a complete memory purge? No. Only what the council demanded. Then at least I shall remember you. I am ready. What is your name, droid? I am ZNA4, of course. How may I serve the order? Z. Tell me how to navigate the Kobo Abyss. I have no information on that in my memory banks. Master Kree, you are aware the Republic has issued a full-scale evacuation order. I am. That is why I have a very important task for you, Z. Take this. A tuner? Oh, what a fine model. Oh my! C'est quoi ce qu'il y a dans le ciel, là? Use that to open the forest array. Travel underground. Stop for no one. That is an order, Z. Am I not coming with you? Ah, mais elle veut mourir, je pense. The key to Tanalore is in that array. If you do not hurry, I fear it will be lost forever. May the force be with you. Ah ouais, pour un droïde. Quand même, tu dois être content, Scan. Là. Enfin, je comprends pourquoi. On comprend pourquoi t'aimes bien le jeu, quoi. On dit que la force est avec vous, avec un droïde. I think this droid has been here for hundreds of years. Good day. Or is it night? Something's very wrong. Is your name Z? Yes, it is. How are you? Oh, no. I'm trapped. Ah, je l'aime bien ce robot. Oh, des centaines d'années. I'm Cal. This is BD. We're gonna help you. Pleasure to meet you both. Some help would be most appreciated. J'aime bien ce robot, il est trop classe. Vraiment classe. C'est quoi qui t'éduque, mon petit bottom? L'une des plus grandes qualités du scénar, c'est aussi sa plus grande faiblesse pour d'autres, la Haute République. Ah bon? Mais elle va être si importante que ça là, dans le scénario, la Haute République? Mais je n'aurais même pas pensé, moi. Beaucoup de fans casu ont été perdus à cause de ça. Ah, ouais, d'accord. Oh, y a du nouveau, donc les gens sont perdus. Oui, je sors de ma zone de confort. C'est des trucs que j'ai pas lu, je comprends pas. Bah, ça va. Après, attends, je sais pas ce que ça va donner. Si, c'est sûr, ils partent sur des trucs que t'es obligé de connaître de la Haute République pour comprendre le scénario là-dedans, ce qui m'étonnerait. Je comprends qu'ils soient perdus, mais... Bah,
Je pense pas qu'ils ont fait ça quand même. Du coup, il y en a qui se sont fait chier sur l'histoire. Ah bon ? Vraiment dommage. Car pour moi, l'histoire du 2 est supérieure à l'histoire du 1. Bah oui, bah on va bien voir. Hein. Claude, t'as un joli pseudo et t'es joli aussi. Bah dis donc, Scan, on se calme. Non, je plaisante. Non, c'est bien. Si c'est la manière dont elle t'a éduqué. Non, puis on n'est jamais contre des compliments. Hein. Sauf que je pense qu'elle est déjà partie, par contre, malheureusement. Puis No Spile, t'as pas besoin d'avoir lu aucun roman. Bah voilà. Z, c'est une cousine à Scan. Peut-être, hein. On va voir, Z, c'est une droïde de l'époque de l'Haute République chargée par le maître Jedi Santari Kri de récupérer la clé de Tanalor. Elle s'attache immédiatement à Cal, bien que sa tenue peu conventionnelle l'interpelle. Bah oui, parce qu'elle a été obligée de voir ça, quoi. Mais t'as pas besoin de... attends, par contre, le scénar est lié à un gros event qui arrive dans les romans. Ah ! Attends, t'as pas besoin de connaître l'event, c'est bonus. Bah oui, mais alors tu vois, moi du coup, ça, peut-être que ça me donnera encore plus envie de finir le troisième tome de La Chute de l'Étoile. Est-ce que c'est ça dont on parle, La Chute de l'Étoile ? Je sais pas, moi. C'est bonus, mais ça facilite la compréhension globale. Le contexte en compte. Je dis rien, oui, non, dis rien. Mais j'ai le troisième roman, La Chute de l'Étoile, que je n'ai pas lu encore. Enfin, j'en suis à la moitié, quoi. Donc voilà. Après, si tu parles de gros événements de la Haute République, bon, je pense que c'est la grande catastrophe plutôt. Le fait que dans... alors, je sais pas si je peux le dire, là, mais, parce que je sais pas si Céd, t'es au courant, mais je vais y mettre les formes pour pas trop dévoiler, mais il y a un truc avec l'hyperespace, quoi. Voilà, je pense que, bon, là, si tu sais, tu sais, Scan. Voilà. Et c'est au tout début de Light of the Jedi, quoi. Donc bon, là... pas trop se tromper. Possible que ce soit ça. Je dis rien, on te donnera des indices dans l'histoire du jeu. Bah tant mieux, mais alors, ça veut dire que est-ce que tu penses que le fait que j'ai lu deux romans et demi, donc La Lumière des Jedi, le deuxième, c'est quoi ? C'est quoi le deuxième ? Je sais plus. Bon bref, que j'en ai lu deux et demi, ça... non, c'est du leurre supplémentaire. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire que moi, ça va pas vraiment m'aider, quoi. Tu vas pas être perdu à cause de ça. D'accord. Alors, de ce que j'ai lu, ça va pas m'aider, alors. C'est plus du lore supplémentaire, tu veux dire, peut-être dans des comics ou dans des... Attends, il y a un truc, là. Par contre, savoir ce détail, c'est très satisfaisant. Mais est-ce que tu peux juste me dire si je le sais, ce détail ? Ou alors, c'est peut-être ce que je viens de dire, d'ailleurs. Mais par contre, je trouve ça vraiment trop cool qu'on ait des vestiges là. Tu verras. D'accord. Je trouve ça énorme qu'on ait des vestiges là, carrément du. Notre République. Bah oui. Not completely, Z. I'm a Jedi, alright. But you're not even wearing the proper robes. I'm more of a poncho guy. Bon, le truc c'est que bon, là je fais un peu le contraire, donc c'est pas grand chose. Donc, il doit y avoir des bouboules ailleurs, non ? Je pense qu'il faut les mettre là-dedans. Ah mais oui, je vais faire ça. Qu'il est cœur. Sinon, pour moi, le grand mystère de la Haute République, c'est pourquoi il y a des sabres roses, blancs, orange, violets dans la chair et pas à l'époque de l'après-l'eau. Oh, ça doit avoir ses raisons. Ils se sont dit, bon, on est la Haute République... on a besoin de couleurs, quoi. Puis après l'eau, ils se sont dit, bon, on va redevenir sobre. Tu sais, je pense que c'est comme les... c'est trop classe. Faut que je l'attache quelque part. Tu sais, c'est comme les modes. Use the orbs to activate the bridge, then you can reach the crane controls. I think, I'm just
assume many idle years. Who really knows? The droid's got more than a screw loose. What was that? I said, hold tight, Z. Ouais, je te disais, c'est comme les les modes vestimentaires, tu vois. Il y a un moment on met ça, un moment il y en a ils ont le mulet, tu vois, il y en a ils ont la queue de cheval, et puis ben il y a une époque où plus personne n'a la queue de cheval ni le mulet, tu vois. Ben là c'est un peu pareil. Bon. Je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Looks like a data desk. Disque de données. Donc là. Là, ça sert à rien, c'est ce que je viens de faire. On est d'accord, hein. Surtout, ça sert à quoi, là? Non, on est d'accord. Waouh, quoi? Attends, what? J'ai fait tomber tout, mais... Ah mais oui, d'accord, il y en avait un. Ok, donc bah là, faut juste que je le prenne, quoi. Hein? Okay, parce qu'au final, on va se retrouver avec, juste deux. Viens, juste ici, voilà. Oui, bon, c'était pas bien. Take your time, I've only been here for a while. Moi j'ai pas de cheveux. On parle de la mode là, non? I was knighted in the field. And what was the reason for this flagrant breach of protocol? It's a long story. Attends, on va papillonner un petit moment là. Pour aller chercher ce petit machin. Qui va être juste un truc pour le sabre. Voilà, bon. Est-ce qu'il y a du papillonnage à faire encore ici ou pas? Ah oui, ça a l'air. Ou c'est peut-être plus pour revenir, ça. Wow. Ouais, bon. Hein. On dirait le truc pour mettre le disque, là, l'espèce de machin. On va voir ça. Est-ce que je me suis fait mal en sautant d'en haut? Et ouais, bien sûr, il manque quelque chose. Et là, il nous manquerait... Tiens, Clo. T'as loupé des compliments. De ton bottom. Bottom. Mais là... D'accord. Bah ouais, remonte plus haut, tu verras. T'as loupé des compliments. Et là, elle va dire, mais je n'ai pas les messages plus haut. C'est toi, mon bottom. Ah, d'accord. Donc, pour moi... Mais parce que... Parce que no way, je peux attirer le... Il y a un truc que j'ai pas vu. Ah oui, j'ai un joli pseudo. Beniat. Il force pas. Je pense qu'il y a un truc que j'ai pas vu là. Ça là, on dirait un truc où tu mets un disque. Ah oui! Et voilà! Non mais. Pourquoi demander un indice? Je viens de faire quelque chose là. Non, pas besoin. J'ai certainement d'ouvrir la porte. Non? Non? Attends. Attends, oula, c'est tombé ça. Ah mais oui, d'accord, on l'a aidé, oui, ok. Thank you, Cal. Je sais même pas où il était. Don't mention it. No,
you'll excuse me, I've been delayed long enough. Est-ce que c'est ta sœur, Scan, là, Z? Mind if I take a look? Well, I must admit, I am in need of repair. Je l'ai trop de bruit. So Z, what's Tantalor? A planet hidden within the Kobolbis. It's home to a Jedi temple. A bastion of the Order's light on the galactic frontier. At least that's what my master hoped Tantalor might become. That should do it for now. Just gotta figure a way out of this place. Well, I can help with that. It's this... Was it that? No. Oh! Derrière toi. Yes, it is this way. Follow me. Qu'est-ce que ça bave, là? Now I see where we are. A meditation chamber. Master Kree designed... C'est lui qui me les a achetés. De quoi tu parles? Ah oui, oui, Kishin le fou. Oui, oui, c'est moi, oui. Comment tu galères à cette étape, enfin? Eh ben, mon vieux, on est mal barré. Oui, non, mais je sais. Bah, le L2, franchement, je l'ai pas vu la première fois. Z. Goat? Z, c'est mon ancêtre. Ah ouais! Z Wife Material. Et Kanda Smash. Mais ouais, t'as vu? Wife Material. Oh merci. Non, je la connais pas. Non, c'est pas trop possible. Nouvelle avantage. Vous avez découvert un avantage. Vous pouvez trouver tout au long du jeu différents types d'avantages qui pourront modifier sensiblement votre façon de jouer. Ah ouais? Vous commencez avec 3 emplacements d'avantages. Ah d'accord, c'est des espèces de petits trucs que tu peux en mettre que 3 qui te passent. Ah je... oui, c'est bien ça. D'autres emplacements peuvent être débloqués au fur et de la mesure de votre progression. Les avantages particulièrement puissants peuvent nécessiter plusieurs emplacements. Ah, oh, ils sont malins. Vous pouvez consulter vos avantages à tout moment dans la section avantages du menu capacité. Vous pouvez gérer les avantages équipés aux différents points de méditation. Ouh là 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 là, regardez-moi ça, mais des vrais enfants, c'est pas possible. Je vais devoir t'apprendre c'est quoi Gyat. Ah oui, bah c'est quoi, c'est la version féminine de Goat ou quoi? Parce que alors là... Attends, je vais essayer de trouver. G pour... Give your... Ah, avec des dollars. Tout, je sais pas. Tu peux m'apprendre aussi. C'est pas pour les enfants. Elle me tue. Daddy. Ah, faut... Oui, mais... Et comment... Mais oui, mais bon. Comment tu veux que je sache? Moi, je sais pas ce que c'est, moi. Yeah, you could have been down here forever. Attends, il me faut un truc pour... Bon, c'est pas grave, la prochaine fois qu'on aura un truc pour méditer, on regardera ce que c'est les avantages. Par contre, tu peux dire à ton ancêtre de se grouiller un peu parce qu'elle marche un peu lentement. Bien duré. Réparer le pied. That planet you mentioned. What's it like? Tantalor? What a wondrous place. Non mais là... Honnêtement, Scan, depuis qu'ils viennent de parler de la Haute République, mon intérêt, il a grimpé encore plus, alors que déjà qu'il était haut, hein. Mais tu vois, tu dis que pour certains, ça leur a plombé le moral. Bah alors moi, ça me l'éclaire. Je me suis fait déco du live. Ah bon? Band? Ah non! Oh, ah ouais, vraiment, parce que t'as dit ce mot, non? Attends, c'est pas tout, la Haute République. Ah ouais, non, mais... S'il y a encore d'autres surprises, let's go. Mais attends, mais vraiment, rien que... T'as sérieux? Non, c'est sérieux? T'as été quoi, déconnecté pendant quelques secondes à cause de ça? T'as eu un message qui t'a dit n'écrivez pas ça, non? Mais pourquoi tu le réécris? It's like saying God damn when you see someone. D'accord, ok.
Ben non, je rigole, je laxe et tout. Ah ben, on sait jamais, hein. Bon, Scan, il a envie d'essayer. Navigate the Kobo Abyss. That must be the knowledge your master purged from your memory banks. Well, she must have had her reasons. Ouh, il y a plein de mystères. J'aime ça, les mystères. Surtout dans Star Wars, c'est toujours... c'est toujours trop bio. Bon, par contre, là, on est bloqué. Ah, il y a eu... Oh, les Jawa. Ah bah oui. Ah, c'est bon, maintenant, j'ai mon robot de la Haute République avec moi. Attends, c'est pas la classe, ça hein. Ah oui, ça a un peu changé, je pense. Deux centaines d'années. Yes. Don't worry. You're not alone. We'll help you get back on your feet. You might not be wearing a proper attire, but now I am certain you are a Jedi. Bonsoir, Willow. Ça va? Je ferai vraiment les lives. Oh, such strange buildings. Oh my, what is that? Voyons, Scan, arrête de me rise. Oh, tu curses mon corps, mon cœur. Oh là, mais quel riseur. Riser. Ça va, bah écoute, tant mieux, tant mieux. Moi, je viens de découvrir qu'il y a de la Haute République dans Jedi Survivor. Écoute, moi, je suis enjoué. Alors d'après Scan, il n'y a pas que ça, mais moi ça m'en joue. Il a choqué les enfants. Pas risé, mais riselé. Ah, c'est... Riselé ? Ah ouais ? Un rise ? Rise... Ok, d'accord. Alors comment tu le dis en anglais ? Rizzle ? C'est ça, c'est rizzle ? J'ai été rizzled. Avec l'accent en anglais, bah oui, Rizzle. Reese. Rizzler. Ah non, a Rizzler. Écoute mon vocal Insta. Tu veux que je l'écoute là, en live, là? Tu veux que tout le monde t'écoute? Si tu veux, je peux le mettre, hein. Toi qui vois. Donc ce serait a Rizzler. Scan, c'est un Rizzler. Je ne suis pas un Bevan Raider spy. Je suis un ami de Cal Kestis. Kale, what's it? Look, I told you, buddy, you're in the wrong cantina. I don't know anybody named Cal Kestis. Hey, Grease. Oh, that Cal Kestis. Found the gyro. You made it. Good to see you guys. Oh non, pas lui. Grease Dritus, this is Bo Takuna. He was on Coruscant. Oh, pas lui. Wouldn't have made it out alive without his help. Oh, all right. Hi, nice to meet you. Unfortunately, I don't think I have another bed available. Wait a minute. Another one? Cal? You have a very bad habit of picking up strays. Non, c'est pas un sale droïde, celui-là. I am ZNA4, humble servant to the Jedi Order. Oh, I take it you haven't broken the news yet. She was trapped underground. I've never seen this design before. This droid almost looks like an antique. Did you find anything down there worth credits? Credits? Cal, you have saved me, but I must... Attendez les enfants, je vous dis après. Hein. Oh, here it comes. Master Centauri ordered me to open the forest array, but given my condition, I cannot fulfill that duty. Please. If I fail my mission, the key to Tanalor may be lost forever. Wait a minute. Did you just say Tanalor? You've heard of it? Yeah, it's an old prospector's legend about a lost world filled with treasure. Maybe this droid proves it's more than a myth. Could be worth checking out. Yeah, but first, I gotta fix the menace before the raiders snatch it. Well, I'll escort you out there. Watch your back while you make the repairs. Ah, t'es intéressé pour aller réparer toi-même, hein? Is he as tough as he looks? Next non. To Seer, he's the best marksman I've ever met. Non, okay. C'est pas vrai. We'll take care of the menace. Flatter. I'll go see what's in the forest. Thank you, Cal. As soon as I'm in full operating order, I will join you in the forest array. Voilà, pété un boulon, je crois. Z. Whoa there, Heritage. While they're all sallying forth, why don't you ease up on the thrusters? Come along. I can get you tuned up, shined up, and thought up on the state of the galaxy. Oh,
Cal, I'm gonna lock up the saloon so the raiders don't trash it. Use the back door, would you? Bon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça bave? Qu'est-ce que ça bave? Écoute mon voc Insta, mets-moi en live. D'accord, attends. Voici venir le moment décisif. Ce que tu t'apprêtes à faire déterminera si on quitte la planète en 2024 ou 2025. Ah ouais? Bon. D'accord. Bod, ouais non. Je vais hurler son nom à chaque fois. Bon, vas-y si tu veux. Z. Guyat, oui papa, les joies de la motion capture, franchement les animations sont splendides. Mais oui, surtout pour certains persos, il a une profondeur dans le jeu d'acteur. Et Seth, il nous gratifie d'un ouah. Focus bien les expressions des personnages parce qu'il y a des choses qui sont dites à voix haute et d'autres non. Et ouais, mais et c'est ça en plus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à jouer sur... Bon alors, on va écouter Chloe parce que elle nous apprend à dire Rizzler. Ça veut dire quoi, Rizzler? Ah, moi, j'ai pas entendu. Mais je sais pas si tout le monde t'a entendu, donc si tout le monde t'a pas entendu, on va mettre ça plus fort. Tu dois dire Rizzler, ok? Pas Rizzler, c'est Rizzler. Voilà. Rizzler! Ça, c'est comme soccer! Tu vois, il faut... En fait, quand tu veux parler anglais, il faut avoir une patate chaude dans la bouche. Rizzler! Oh, c'est chaud! Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Soccer. Non, en fait, c'est ça. Les Québécois, en fait, ce qui se passe avec les Québécois, c'est que quand ils parlent français, à un moment, ils vont avoir une patate chaude dans la bouche. Mais vraiment, c'est d'un coup, ça va les prendre comme ça. T'sais. Ils vont avoir... ils vont dire... ah oui, bah, tu sais quoi Alors, moi, j'ai pas l'accent québécois. Hein, donc, imaginez que j'ai l'accent québécois. Vous savez quoi? Hier, j'ai pris mon pied. Alors, ils ont certainement pas cette expression. Bref. Hier, vous savez quoi? J'ai pris mon pied. Oh non, attends, on va le faire un québécois. Et hier, tu sais quoi, là? J'ai capoté parce que hier, j'ai été voir un match de soccer. Ils ont été la patate chaude. Aïe, aïe, aïe. Et tu sais quoi? Il y avait une fille. Non, il y avait une chicks à côté de moi. Et tu sais quoi? J'ai essayé de la draguer et tout. J'ai fait un peu mon Rizzler. La patate chaude. En fait, il faut vraiment avoir la patate chaude, parce que sinon... C'est ça qui nous déconcerte, en fait, les Français. C'est parce que nous, on n'arrive pas à avoir une patate chaude comme ça qui pop dans la bouche. C'est soit on parle anglais, soit on parle français, quoi. Donc vous avez du popage de patate chaude dans la bouche ça s'apprend, en fait. Hein. Soccer des balls. Putain, mais clos. Merci Claude, nous partager ton accent hors du commun. Ah oui, par contre, elle a vraiment un accent de patate chaude hors du commun. Kishni dit ball soccer. Match de soccer. Comment ça, t'as essayé de raise une chicks? Mais non, mais putain. J'ai jamais été un match de soccer, alors j'ai jamais essayé non plus de raise une chicks. Kishni qui drague une meuf, t'as plus de chances de finir avec Zana. J'ai une voix exceptionnelle. Oui. Chloé est une voix exceptionnelle. Non, moi, la seule chicks que j'ai draguée, c'est Z, là, dans le jeu, là, pour le moment, c'est tout. Hein. Je veux le ball soccer comme réveil matin. Ball soccer. Ball soccer. Chloé, réveille-toi. Wake up, ball soccer. Voilà, maintenant, tu fais un clip de ça et tu l'exportes en MP3 et t'as ton réveil. Ok? Voilà, non, c'est moi. Oui, effectivement. Allons-y. Parce que déjà que moi c'était 2039 où je devais terminer. Bah alors avec vos conneries là, c'est bon, on est rendu en 2070. Hein. Wake up, ball soccer. Get up, ball soccer. Grâce aux efforts de Cal. L'avant-poste de... On n'est pas du tout dans le jeu, là. Putain. L'avant-poste de la vallée de Vagabond... du Vagabond ne cesse de s'améliorer. De nouvelles boutiques et activités sont désormais disponibles. Oh là là. La boutique de Doma à l'avant-poste de Kobo est désormais accessible. Oui, dépenser des minerais rares trouvés sur Kobo. À travers la galaxie, Cal peut rencontrer de nouveaux résidents qui peuvent l'aider à améliorer
à l'avant-poste de la vallée. Ok, assurez-vous de revenir ici après avoir recruté pour qu'ils aient. Ok, d'accord. Donc là, t'as carrément un hub à augmenter, quoi. Active la technologie de l'époque de la Haute République pour accéder à une nouvelle zone. That's some serious firepower. That's not exactly what I want to hear. Ouvrez la porte de la forêt. Ok, mais moi, avant, j'aimerais avoir un truc où je peux méditer. So, bartender, where is oil bar? Coming right up, Heritage, coming right up. That can't be up to code. Even out here on the frontier. Bah, il n'y avait pas un endroit où il y avait... Si, c'était là. Attends, je commence à connaître la maison. Une voix exceptionnelle. Je veux le ball soccer. Ok, ouais. Je peux pas clic. Y a-tu la rediff? Oui, il y aura la rediff. Okay. Mais pourquoi tu peux pas clic? Tu peux toujours clic. Objet trouvé. Tout supplémentaire. Donc on avait... Nous avions les avantages. Jauge de blocage. On a une jauge de blocage. La jauge de blocage, c'est quoi? C'est genre le... Ah oui, pour la parade parfaite, c'est ça? Bon, on l'équipe. De toute façon, on n'a que ça. Donc, c'est dire. Alors. Bon. Apparemment, d'après scan, ce que je vais faire maintenant va déterminer si je quitterai Kobo en 2024, en 2025. Je pense que ce qu'il veut dire par là... Je suis enfermé. Merci. Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est si jamais je vais parler à tous les PNJ. Chose que je ne vais pas faire, évidemment. J'ai envie de sortir en 2024, moi. Mais il y a des PNJ, donc on va leur parler. You brought that droid in? Saved her too, huh? Just helped her get back on her feet. And he asked for nothing in return. Well, she did let me hang on to her tuner key. Ooh, a tuner key? What? You found a real one? That's right. Do you think I could maybe... You can't borrow it, Turgle. Là, clairement, on se croit dans... Alors, en mieux fait, hein, mais on se croirait dans Mass Effect. Hein. Turgle. J'ai 10k de points de chaîne. Ah ouais! Oh, les points de chaîne, j'ai encore zappé. Oh, faut que je fasse un truc pour ça. 10k, faut que je fasse un truc pour vous puissiez. Il y a un truc que je pourrais faire, et je suis sûr vous kifferez ça. Je pourrais essayer de mettre des espèces d'alertes. Vous savez, quand vous dépensez des points de chaîne, bah vous avez une alerte de un truc qui parle, quoi, comme un hello there, tu vois, un truc comme ça. Mais j'ai envie de trouver des trucs où t'as une sorte de conversation, tu vois, où c'est-à-dire que vous pourriez limite dire des trucs. Après, moi, je les entendrais pas. Faudrait que j'ai un casque en fait dans les oreilles. Enfin bref, on se démerdera. Bon bah c'est 2025. Quoi? Non mais non, je vais pas parler à tout le monde. 11k. Oh 11k. J'ai scan stop. Ouais, scan c'est un soccer balls. Bon, j'ai pas envie de parler à Bod. J'abandonne. Allez là, ouvre. Merci. En fait, je comprends pourquoi ça met longtemps à s'ouvrir. C'est parce que ça charge. Non, vraiment, parle à tout le monde. Kishini, je te le souhaite. C'est vraiment intéressant. Après, je force pas. Kishini, t'es pas drôle. Ramène ma quiche. Salut, je suis ma quiche. Non. Ma veste... Enfin, ma quiche est pas là à côté de moi. MG point de chaîne pour passer le reste du live en ma quiche. Ouais, mais là, ça veut dire que je me change, quoi. Une génie. Oui, oui, bon, pas trop génie. Hein. Est-ce que tu veux vraiment que j'aille parler à tout le monde? Non, je sais. C'est parce que ça va déclencher des quêtes annexes. Sauf que j'ai dit de toute façon que les quêtes annexes, je les ferai que si je... C'est bon, regarde, mec. Tu me vois? Moi, je peux flex que j'ai déjà mis la veste de ma quiche. J'avoue. So how is Kobo? You get away from it all like you wanted? Oh, I had to, kid. Away from the Empire, the Haxian Brood. Escape all the trouble.
Trouble always seems to find us, Grease. Haven't you learned that by now? No kidding. Just like that old droid, huh? You think Z's trouble? Are you chaffing me? She sticks out like potpourri at a pod race. Not that I'm too picky. You meet any more lost souls with sob stories, send them over to Pyloons, you hear? Place could use a little trouble. Moi, j'ai envie de continuer quand même. Je suis sûr que c'est intéressant, mais bon, il y a quoi là-bas par contre? Mais c'est de là d'où on vient. Hein. C'est des chiottes? C'est des chiottes? Attends. Les quêtes annexes, tu peux les faire quand tu veux sur cette planète. Oui, et puis non, mais comme j'ai dit, de toute façon, moi, les quêtes annexes, comment je fais? C'est que si j'en débloque, bah, en fait, je les fais que si je tombe dessus. Mais je vais pas me diriger vers des quêtes annexes. Maki chez moi, c'est une longue histoire. Oh là là, elle a carrément un gif. Mais je crois que tu l'as en plus, Scan. Un truc avec Maki, My Beloved et tout. Mais sur une autre, tu peux pas. Je te dirai laquelle. Ah d'accord. Ce qui est pas le cas de Mass Effect, par exemple. Ouais, ouais. Alors, on va analyser les chiottes. I don't want to know how this got there. What? On a utilisé la force dans les chiottes, on a eu un trophée et un cube. T'imagines ce machin quand même? Le holiday spécial fête ses 45 ans, qui est resté innocent à ne pas l'avoir regardé. Alors, je crois que j'en ai vu des bouts. Donc je suis à moitié innocent, tu vois. Ou à moitié pas innocent, ça c'est à voir. Mais 45 ans déjà? Wouh! Ah oui, bah oui. Waouh. T'as envoyé le clip de ma quiche. Et j'ai une question du coup, parce que ils disent d'améliorer la cantina, enfin d'améliorer la station de Kobo, etc. Est-ce que j'ai des trucs là pour les améliorer déjà là? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire là maintenant? Je parlerai pas à Bod hein, de toute façon. Ah, par contre, Zed, j'ai envie de lui parler. T'es clean? Elle est clean maintenant? J'ai tous les clips de Klo. Ouais, bah fais gaffe, Klo, elle aime pas qu'on sauvegarde des trucs hein. T'as pas intérêt à sauvegarder des trucs de Klo, hein. Sinon, moi aussi, je débarque. Elle aime pas. Elle aime pas, elle aime pas. Enfin, plus maintenant, j'ai des delete. Ah, c'est bien. T'as appris. Je dis à chaque fois, si vous regardez le Holiday Special, vous n'avez plus le droit de dire du mal de la postulation. Mais oui, je suis d'accord. Kishni, t'es un vrai. Bah oui, mais si tu veux. Scan, si tu veux, t'as un peu de retard, quoi. Et un peu d'avance là-dessus. Mon défenseur. Bah oui. Et moi, je suis un faux, du coup. Ah, t'es pas encore un vrai. Et là, la nuance. I'm giving you love. Me giving you love. Ah, oh, c'est mignon. Merci. Alors, attends, je veux parler à Zed. Hey, Z. Know anything about that forest array? My memory banks are coming up short, Cal, but it is surely the work of Master Cree. How do you know? In her time, she had no equal. There were other scientists and technicians, yes, but all that you see here on Kobo is her work, one way or another. Ok. Oui, là, si, examiné. This stage has seen better days. Mais là, ouais, bon, je suppose que je comprendrai plus tard, mais... Love me back! Tu-du-tu-tu, love me back! Bon, c'est pas ça les paroles, mais c'est take you back. Et c'est dans... Qui a la ref? Qui a la ref ici? Tu-du-tu-tu, take you back. Tu-du-tu-tu, je chante pour Scan. Qui a la ref? Ça me ferait bien rire si quelqu'un a la ref ici. Enfin, je serais impressionné. Take you back. Tu-du-tu-tu. Take you back. Allez. Une saga connue. Ah, que moi connais, apparemment. Non, c'est pas Retour à la future. Alors. On va essayer d'aller droit au but. Il y a une espèce de... C'est une quête annexe, ça, non? Ouais, ça doit être une quête annexe. Donc, on va aller à l'opposé. Au
qui ? Attends, t'as cherché sur YouTube, toi, c'est pas possible. T'as cherché TQ Back. Oh. Mais bravo. Non, tu peux pas avoir deviné comme ça. Ça y est, Ced ici, mais vous l'avez contaminé, hein ? Vous êtes content de vous ? Vous venez de contaminer Ced, là. Voilà, il est là, mettre bébou, bébou, bébou. Voilà, ça y est, c'est fini. On l'a perdu. On a perdu Ced. Non, t'as dit une saga que personne connaît et je te connais trop bien. Bah, j'avoue, là, écoute, je me prosterne devant toi. Non, j'avoue, bravo. That's the gate Z told us about. Alors, j'aime bien aller droit au but, mais quand je vois des espèces d'hangars comme ça, ça m'intéresse quand même d'aller voir dedans. Surtout quand je vois un petit coffre que je ne sais pas comment on atteint. Non mais là les gars, faut m'aider un peu. Faut. Mais non, mais là, mais non. Et comment on fait du... Ah, attends. Tu vas pas me dire que. Good to see you. Ouais, mais quand tu me parles, regarde-moi, parce que là, t'es un peu stiff quand même. Écoute, on est un duo de l'enfer, mais. Qu'est-ce que tu veux ? Un peu plus avec McKish, parce que lui, c'est plus son truc, les enfers, mais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, écoute, tu veux pas que je récupère ton truc, je récupère. Ouais, il a fait une cabriole, là. Il peut couper les herbes. Ah ouais, ça aussi ? En plus, tu peux cuire des trucs. Non, mais... Ah ouais, non, mais d'accord. Ça, on peut ? Ah ouais, non, je me disais, là, ça aurait été un peu chaud. Je sais pas. J'entends des trucs bizarres, là. Ah oui, c'est vous. Merde, mais non, mais c'est des amis. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux, toi, petit robot ? Mais non, mais viens là. Ok. Bon, là, je suppose que je peux pas aller là. Tu approches de l'une de mes zones favorites de la planète. Il y en a... Ok, bon, on va voir. Encore faudrait-il que je puisse passer, mais juste, c'est où ? Ah ! Si, je vais au bon endroit, là. Oui, très bien. Oh, la musique, quand même. Non, mais attends, mais t'as vu ça ? Non, mais regardez-moi ça, regardez le ciel. La musique. Ah ouais, non, mais comment tu veux t'ennuyer d'une telle planète, quoi ? Ah oui, musique insane, mais oui. Mais attends. Le bassin des Forgans. Et ça fait un peu... Mais c'est beau, ça, quand même. Tiens, il y a un... Il y a un chocobo. Il m'a fait exprès. Et non, mais moi, je me disais, faut que je retrouve le nom de Final Fantasy. Mais en fait, je savais pas que dans Chocobo, il y avait Kobo. Il y en a plusieurs. Par contre, ils sont bleus. C'est des chocobos bleus. Alors, ce open world, il est bien ? Bon, je fais un peu exprès de ne pas trop aller dans le open world, parce que sinon, tu vois, je me connais. Mais non, en vrai, oui. Mais là, je viens juste de sortir de la cantina, si tu veux. D'ailleurs, salut, Wellstone. J'espère que ça va. Mais non, pour le moment, j'ai juste vu une grange là sur la route, il y avait un coffre quelque part, j'arrivais pas à l'atteindre, j'ai dit fuck. Voilà, bon, pour te résumer la situation. Mais sinon, j'ai découvert un truc là. Alors, il y a de la Haute République dans Jedi Survivor. Et d'après Scan, c'est quelque chose qui a déplu les gens, mais moi, depuis que je sais ça, ça me donne encore plus envie là de découvrir le reste de l'histoire. Je dirais même que ça va me donner envie après, certainement, de finir cette chute de l'étoile là que je n'ai pas fini, que j'en suis à la moitié là. Mais dès que j'ai su qu'il y avait de la Haute République, j'étais en mode oh ouais. Et le robot Z, je l'adore. Je la trouve très très bien, très drôle. T'as skip pas mal de choses qui se nient. Ouais, mais tu sais que si je skip pas, on est là jusqu'en 2039, donc je vais devoir faire des choix, tu comprends? Mais non, sans déconner.
Oui. Where is the papillonnage? Et on va lui couper un peu les ailes au papillonnage. Hein. T'es pas prêt? Ah oui, carrément. Mais c'est ça, en fait. Moi, je sais pas si ce que j'ai lu dans l'autre public, parce que moi, j'ai lu que 2 romans et demi, tu vois. Donc, je sais pas si ça suffit, quoi. Rends l'argent aux abonnés. Non. D'ailleurs, tu me fais rire, parce que je n'ai jamais reçu de paiement de Twitch. Je n'y suis pas assez. J'ai jamais eu assez d'abonnements ou quoi que ce soit. Mais j'y suis quand même depuis un petit moment. Et je pense que j'ai cumulé assez. Et j'ai reçu un mail aujourd'hui même. J'ai reçu comme quoi, je crois, $45, un virement comme ça qui a été fait. Et je vais le recevoir dans les quelques... Alors, $45, je trouve ça un peu bizarre. Parce que normalement, tu dois atteindre un seuil de... Je crois que c'est un peu comme YouTube. C'est un seuil de 70-80. Donc, je sais pas. Je suis un peu perdu. Je vais voir ce que je vais recevoir. Mais voilà, tu parles d'argent des abonnés. Si tu veux, je te ferai un virement de... d'un pourcentage de ce que j'ai reçu. Pas besoin d'avoir lu les romans pour comprendre, t'inquiète. Ouais, c'est ce que m'avait dit Scan. Mais s'il y a des petits éléments des romans, tu vois, comme la grande catastrophe, tu vois, qui mentionnait, ça peut être cool, tu vois. Ou les ennemis, tu vois, qui commencent par un N, tu vois. De Visitor. Pour ceux qui savent, il est pas prêt du tout. Mais non, mais je vais essayer de m'y préparer. Je te donne de l'argent et des subs chaque stream, espèce de ouf. Bah oui, et sur le coup, l'argent il vient que de toi, donc ben, je vais devoir te les redonner. Hein. Je suis obligé. Et quand tu me donnes de la thune, quoi. Quand tu vas stream, je pourrais te payer un McDo avec l'argent que tu me donnes. Oui, donc on en était où? On en était au Chocobo, sur Kobo. Bon, ils sont bleus, les... mais ils sont mignons, donc j'ai pas trop envie d'aller les déranger. Est-ce qu'il m'attaque? Il m'attaque ou pas? Ah oui! Attends, mais est-ce que... Oh, t'as les yeux très écartés. Ah oui, d'accord! En plus, il fait mal, le con! Attends, mais... Waouh, calme-toi! Est-ce que tu me donnes quelque chose? Attends. Je fais juste... Je lui ai coupé la... Non, en plus, il donne rien. Non. À part de l'expérience, mais ça vaut pas le coupage de tête de poulet. Non. C'est des chocos bleus. El Polio. Ah ouais, tiens, ça parle espagnol, dis donc. La charge en rouge qui t'a fait one shot en grand maître. Oui, je me souviens, tu l'avais dit. Trop rapide et pas facile. À quoi? À dodge, ah oui. Par contre, là, c'est vraiment beau, là, les espèces de... Je sais pas comment on appelle ça, en vrai. Mais dans les... Ah. Dans les paysages asiatiques, ils ont des trucs comme ça en... Bah, un peu comme ce qu'on voit là, quoi. Il y a un décor comme ça dans Genshin. Je cite Genshin exprès parce que je sais que tu kiffes, Klo. Mais il y a un décor comme ça, mais je sais pas comment ça s'appelle, ces machins. J'aurais dit des rizières, à la base, mais... I'm not sure. Tu vois, patate chaude. I'm not sure. Tu vois, on en revient toujours à la patate chaude. Si, amigo. Hablas espagnol. Está bien. Quoi? OS à full HP. Ah, one shot, ok. Genre full upgrade. Sérieux? Ah, complet et tout. Mais non. Des rizières. Ok. Je sais de quoi tu parles. Oui, je sais que tu sais de quoi je parle. Dans Aliway. Et donc, ouais, c'est des rizières, quoi. Ouais, bon, c'est ce que je pensais. Et rizière, ça fait penser à Rizzler, hein, Clo? Bref. On se concentre. Oula, il y a un gros pabot, là. Est-ce que je dois aller là? Ah non, je dois pas aller là, non. Après, est-ce qu'on tue le gros pabot? Il me fait de la peine, regarde, il essaie de pêcher. Ou alors, il est en train de traîner un humain dans l'eau, là, non? En tout cas, c'est pas clair ce qu'il fait. I'm tired of you. Non, attends. S'il fait du mal à un humain, faut le sauver, là. Ah non, c'était pas un humain. Wow. Ouhou. Attends. Eh, hey, c'était bleu, son machin. Pourquoi ça m'a... C'est quoi quand c'est bleu, alors? Il va me tuer. Bah, il va me tuer. Wait here, buddy. Mais
Attends, est-ce qu'il est au moins possible à battre ce mec là, parce que... Mais ce truc bleu, c'est quoi là? Parce que... Est-ce qu'il faut que je fasse genre une parade parfaite quand c'est bleu? Bon bah là, ça non. Ah, il me dégueule dessus! Mais c'est quoi ce truc? Ouah, quoi? C'est quoi ça? Et je voulais le lancer sur lui, mais ça marche pas. Mais j'esquive, sérieux? Ouais, bon, là j'ai voulu essayer de... C'est quoi ce machin là? Le sabre est trop cool. Ouais, mais je pense que là, j'aurais peut-être dû essayer le sabre une main, non? C'est quoi quand c'est bleu? Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il faut que t'esquives. Mais bleu, c'est quoi? Il faut que tu fasses une parade parfaite? Goroko est très simple à vaincre une fois la stratégie... Oui. Oui, j'imagine. Bruh. Claude, tu l'as contaminé, là. Scan, il se met à dire bruh. Ben bleu, tu tapes, non. Si rouge, t'esquives. Je tape si c'est bleu? J'aurais dit parade parfaite, moi non. Mais c'est bizarre que c'est pas expliqué. Personne ne peut m'expliquer, là? Scan, il vole mon vocabulaire. Wellstone, elle est forte quand même. C'est utiliser la force quand c'est bleu. Mais alors, dans quel sens la force? Faut le tirer ou le pousser? Bon, je pense qu'il faut faire ses tests, hein. Il m'a pas contaminé, c'est moi qui l'ai contaminé. Oh, puis vous auto-contaminez aussi. Oh là là, ça commence. J'ai plus de souvenirs pour être exact. Oh, d'ailleurs, ton défi là, ça se passe comment, Wellston? Moi j'ai pas pu suivre, t'en as fait combien de parties là? Parce que moi j'étais là la première. Je sais que dans le premier, quand c'est bleu. Bah oui, mais là ça. Ça fait du sens en fait. Ça fait même beaucoup de sens. De te mettre un gif horrible. Scan puis moi on fight like an old couple. Bah oui, ce que je vois. Ah oui, il est jaune parce que faut que j'aille le taper pour récupérer mon expérience. Voilà, donne-moi mon XP. Bon, maintenant fini de jouer. Viens la bombo. Allez, viens la bombo. Et là, c'était la force là. Et oui. Vas-y là! J'ai fait là! Ah ouais, ça marche! Ah oui, je comprends, d'accord. Ah oui, après il est easy quoi. Ah oui, d'accord. Il va me dégueuler dessus. Ah! Waouh! Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Il a bugué. Non! Mais qu'est-ce que c'est ça là? Mais je peux pas l'attaquer ça? Une autre coco là? Une langue? Scanne-moi ça, Bidi. Very nice. Bramlik? C'est genre une boule de poils! Lorsqu'on s'approche d'un bramlik, les épines qui recouvrent l'ensemble de son corps sphérique se dressent de façon dissuasive. C'est pour cela que les habitants locaux appelle piqueur. Ils sont faciles à éliminer, mais n'attaquent généralement que si on les laisse tranquille. Si on les laisse tranquille. Assez peu agressif, mais douloureux. Éliminer à distance ou à éviter. Ouais, dernière rencontre. Ok. Mais c'est craché par un... Donc c'est comme une boule de poils, en fait. Ah bah, mon défi se passe bien. Mort de rire. Je pense que... Quelques galères, mais ça se passe très bien. Bon, bah, tant mieux. On avance bien. Je viens de quitter Datomir.
avec mon sabre détruit, je pars direction Illum. Ah ouais, t'as bien avancé, dis donc. Oh. Et ça va, là. T'appréhendes pas quand même la fin, là, contre la deuxième sœur, là, non ? Ça va ? Non, parce que moi, j'aurais une peur bleue, là. Elle m'a traumatisé. Hein. Moi, mon défi, c'est pas foirer ma vie. C'est déjà un bon défi, en fait. Bon, mais par contre, ce crash build, bah voilà, c'est de la build. Et oui. Ce crash build, bah, faut savoir, c'est soit crash, soit build, quoi. Est-ce qu'il cachait pas un petit quelque chose ? Hein ? Faut voir. Bah oui. Hey, look at this. Éclat de priorité. Ouais. Dépensez-le dans la boutique. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la boutique là. J'y suis pas allé. Bon, c'est pas grave. Une autre fois. Franchement, pour moi, j'ai passé le plus dur en survivant à l'arène des chasseurs de primes. Ah oui, ça a été horrible. Donc, le boss final, je me dis que ça va le faire. Ah, attends, ouais, j'ai un souvenir de ça, ouais. Bon, bah, GG. Ah bah attends, j'espère que par contre, les gens là, ils ont plus aucune raison de dire que t'es éclaté ou que t'es nul ou quoi que ce soit. Parce qu'alors là, et tu le fais en difficulté max, non ? Non, c'est pas difficulté max, non. Je sais plus, je t'avoue, je sais plus. Xana sera pas fière de toi vu que tu joues en VO. Mais je m'en fous de Xana. Je lui ai mis les sous-titres en français. Il se tait. Bah, il y en a qui disent que c'est pas foufou. On me l'a dit. Ouais, non, mais c'est des gens qui sont jamais contents, tu sais. C'est des rageux. Des rageux dans le monde de Star Wars, tu vois, c'est comme ça, quoi. Le point faible de Wellstone, c'est d'être trop forte. Il y a un peu une antithèse là-dedans, mais je pense que tu peux le prendre comme un compliment. Hein. Ses difficultés maximales... Ah ouais, avec zéro amélioration dans la compétence. Wow. Donc que l'attaque classique. Wow. Vous n'avez pas une manie pour redevenir un noob dans un jeu ? Tu n'y joues pas pendant 30 ans. Ça peut peut-être aider. Je m'en fous de Xana qui finit 2023. Va le mettre dans les citations d'AKF. Fais chier sur les boss fights de JFO. Ah ouais. Ça va dans les citations, voilà. Il est gentil, Swidou. Ben oui. Alors. Bon. Là, on s'est juste... Oh, c'est bio. On s'est juste réentraîné, hein. Mais là où il faut que j'aille, c'est ça. Et on se dirige sur le... Bien comme il a disparu. C'est quoi qui m'a posé, là ? Ah ! Coucou les droïdes. Everyone 2023 NBA. J'ai mis dans les citations. Ouais. Bah, t'as mis le contexte quand même que c'était en live parce que. You're going down. Salut les droïdes. Ah mais, vous savez, je vous ai même pas attaqué quand même. Hein. Des droïdes Amazon. Alors, pas les livreurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bon, c'est plus pratique comme ça. Les all Roger, right, Roger. Right. Let's look. Des copains à scan, mais oui. C'est pour ça que je voulais pas leur faire de mal au début, mais écoute, ils m'ont attaqué. Ah, oh, si je suis toujours là dans ton cœur, bébou. Oh, ça se parle bien. Ah, oh, j'y crois pas. Putain, Wellstone, je comprends ce que ça fait de gérer des enfants, hein. Toi, t'as ton équipe d'enfants, regarde, moi là j'en ai hérité, tu vois. Voilà. Maintenant je me mets à m'occuper d'enfants aussi. Pas vrai ça.
J'espère qu'ils sont disciplinés les tiens, Weston, parce que alors là... Là, des fois, ça part en live, quand même. On vit un double live. C'est quoi, ça? C'est une porte de la Haute République, ou c'est comment? Ah, oui, ok. The galaxy will know our scope. Die! Sneering! I will not yield to you! Oh, je l'enchaîne! Put them in the ground! Ok, je n'ai plus de force. Oh non! You coward! Give me more! Aïe, j'étais en train de lancer mon sabre. Voilà. Bon, ça va. Ça va. Je rien ai promis, je prends juste du temps pour moi. Oui, oui, prends-le le temps. J'espère que tu vas bien, Scan, en tout cas, parce que, pareil, beaucoup se sont posé des questions. Ouais, 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 mais il se recentre sur sa vie. Je rigole, mon chou. Ouais, tu traverses une période assez difficile. Mais oui, mais c'est comme je t'ai dit au début du live, c'est pour prendre du temps pour toi, laisser un peu les choses faire, te recentrer sur les choses essentielles, repartir sur un cercle vertueux, et puis après, quand tu te sentiras mieux, tu pourras trouver un bon équilibre entre les réseaux sociaux et ta propre vie. Raccourci débloqué, c'est bon ça. En vrai, Kish, t'es kinda le Brian Descartes de la France. Je prends ça pour un très beau compliment. Cosplay Connor pour moi. Voilà. Bon, je sais, il a pas de capuche, mais c'est pas grave. These raiders are keeping the Empire at bay. At least they're good for something. Par contre, j'ai chaud là. Ah, c'est vrai, je le cosplay. Bah oui. Bah d'ailleurs, il me faudrait ton costume là, parce que sinon. C'est un peu complexe là. Here we go. Atteignez le complexe de la forêt. Non, franchement, depuis le début. Oh, des trucs à couper. Vas-y là. L'Iray should be out here somewhere. Only way forward is to cut through. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait surprendre. Kish, pour combien tu mets ton maid dress en live? Ah, mon maid dress? Je rentre pas dedans. Si? Pour combien? Non, mais déjà, je te dirais pas pour toi, parce que toi, t'as pas intérêt à me donner de la thune, déjà. Mais pour combien je le ferais? Je sais pas, je le ferai pour ton plaisir. C'est-à-dire pour rien, je le fais gratuitement. Il est limite un peu loose sur toi. Ouais, wow. BD. C'est des moustiques, mais bioméca. Looks like it's blocked. Sit tight, oh, j'ai une oreille qui siffle là. Ouh! It's no use, BD. Attendez. J'ai une oreille qui souffre. Ça va l'oreille, là? Putain, ça a sifflé d'un coup, là? Mais je crois que... Non, c'est bon, ça va mieux, je crois. Pas sûr. Next time, tu viens à la maison. Je parle de toi, c'est pour ça que ça siffle. Bah ouais. Je vois ça, mais là, ça a sifflé fort. Hein. Attends, mais je l'ai pas activé le machin là. Ah, mais parce que. Il faut aller dégager ça avec la force. Non, mais t'inquiète pas, je m'en charge. Et là, je me compte. Coupé. Mais il est fou lui. Mais il est dingue. Non, mais je suis désolé, mais quand même, quoi. Un peu de respect, non? Mais ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi si je te coupe?
J'ai compris. Wow. Attends. Et je peux me faire mal avec ça, là ? We can trade this at Doma's shop. Ok. Mais ces trucs-là... Oui, il faudra vraiment que j'y retourne, à mon avis. Hein. Oh, mais vilain poulet, mais oui. Crie dans ton micro. J'aime le... Le... Et rap. T'aimes le rap? Oui, j'ai pas compris non plus. Mais non, je vais pas crier, parce que sinon, après, les voisins, ils vont se poser des questions, tu comprends. Je suis mort. Bon, vous avez rien vu. Donc là, ça dit activer. Oui, non, mais j'ai compris ça. Il faut que j'utilise la force. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Good to go, BD. Bon, ça. Let's try that again. Toss me a spin, bud. Et là, je suppose que... On peut y aller, là, quand même, non? Ah, voilà. Inverser la direction. Ah, oui. Ah, mais... C'est pas vrai! Mais à chaque fois! Moi j'ai pas envie de te tuer, mais quand même! De quoi je dois pas dire en live? De quoi? Le poker rap? En fait, le but à chaque fois c'est de faire cancel ton stream. Bah oui, j'ai l'impression. Parce que t'es trop innocent. Bah oui. Excellente idée. Non. Et non, c'est pas une excellente idée. Qu'est-ce que tu veux scanner? Tu l'as déjà scanné, je sais pas combien de fois ce... Ah mais ça... Mais on l'avait jamais scanné ce machin? Bon. Je vais me faire mute du chat. Ah bah c'est toi qui l'aura... C'est toi qui l'aura cherché aussi. Tu vas où? Tu vas où, Bidi? Soignez-vous. Oui. Tu veux scanner quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as vu? Des piliers de basalte. Bon, bah, d'immenses piliers de basalte, de pierres lourdes et friables peuplent la forêt de basalte. L'activité sismique intense sous la croûte planétaire déracine ces arbres en pierre, créant des éruptions qui font jaillir à la surface ces structures déjà formées. Bien que la structure en pierre ne grandisse plus, sa surface poreuse est propice à l'installation des formes de vie organiques rudimentaires. Les érudits désignent ces structures sous le nom de sentinelles de pierre. Beaucoup de choses pour un petit truc de pierre quand même là, non? Oui, bah ça, ce serait bien un petit robot comme ça. Mais alors attends, parce que alors là, moi ils m'ont perdu là. Je n'ai plus d'objectif. Ah! Oui, ok. Bon. Cet endroit me fait penser à la vision de Luke sur Dagobah, petit Vader. Ouais, il faudrait qu'ils soient un peu plus sombres déjà. Mais... Alors oui, les piliers, oui, j'ai compris les piliers, mais bon, ah bon, ok quoi. Ah oui, là on peut pas y aller, j'ai compris. Je pense qu'il y a quelque chose que... On peut grimper sur ces machins? Non. Non. Je vais pas tomber, non. Il y a quelque chose à faire avec ça, là, non? Quoi? D'accord, oui. Oui, non mais oui, bah... Dans ce cas, c'est l'eau. Mais l'eau... Bah, ça glisse. J'ai pas... Attends, attends, attends. Il y a un truc que j'ai oublié certainement. Il n'y a pas un move que j'ai oublié. Hein. Bon, ça doit être avec ces machins maintenant. Pourquoi ils ont parlé de formation de je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Mousse à l'eau. Rouge de Datomir. Mais bon, ça va toujours pas m'aider en fait. Alors
Alors, est-ce qu'il faut revenir? Il y a un truc que j'ai pas suivi, je pense. Il n'y a pas un L2 à faire quelque part, non? Ce jeu, ouais, ils ont une graine de jardinage, ouais, carrément. Il y a un dialogue que j'ai pas lu là. Il y a un truc qui m'a échappé. C'est pas possible. Il y a un truc là. Roménant quoi, Roménant? Ah bah voilà. Ok, d'accord, non mais il y a un truc dans l'autre sens en fait. Tu vas me dire que c'est juste ça, là? D'accord, c'est juste ça! Ok! Bon, je regarderai les murs la prochaine fois. What do you think this array is, buddy? Centauri Kree said it helped keep the Tantalor. 2049. Z seems to think so too. Zéro et fort, JPD. Eh, toi, t'es habitué sur le jeu, hein. Laisse-moi découvrir mes marques sur les murs. I don't think they saw us. Let's move. Ah là, ah c'est quand même bio. On va suivre le chemin. Est-ce qu'on peut descendre là? Il n'y a pas de problème. Oui. Je vous laisse pour ce soir. Bonne nuit à tous et bien. Salut Willou. À ce stade, Wilson va devenir meilleur que toi. Oh, mais elle aurait pas de mal, hein. Non, j'ai aucun problème à dire ça. Après, mon but, ce sera peut-être de dépasser le maître, mais... Et moi, je suis sur JS. Rien à voir avec JFO, mon niveau. Oui, mais bon, quand même. Et il te dit ça parce que j'ai eu beaucoup de soucis tels que toi dans le jeu. Ah ouais, mais de toute façon on se fait vraiment mal parler. Bon, c'est pas grave, on n'abandonne pas. Donc on va se reposer. Parce que là, on a perdu un peu de steam quoi quand même. Compétences, là on en a deux. Mais moi je vois les choses différemment. C'est que ça montre que le jeu est beau et qu'ils ont bien fait la végétation. C'est pas évident de voir le mur lisse aussi. Ça, tu vois, ça s'appelle voir le verre à moitié plein. Tu vois. Prends-en de la graine, Scan. Toi, tu vois toujours ta jauge d'huile à moitié vide. Toi. Toujours comme ça. Alors qu'en fait, tu vois, c'est ça. Avant, t'avais des marqueurs qui étaient beaucoup trop visibles et puis tu faisais que aller vers les marqueurs visibles et tu cherchais pas assez. Et là, effectivement, c'est un peu plus dissimulé. Alors, là, je pense qu'on peut aller un peu plus loin. De la graine. Ah ouais, non. Non, mais... Je sais ce que ça veut dire chez vous, la graine, d'accord? Mais on parle pas de cette graine-là en France, ok? Je vais vous ajouter à ma liste. Mais c'est vrai qu'en France, on a carrément l'expression « en prendre de la graine ». Bah oui, bah qu'est-ce que tu veux? Vous ajoutez à ma liste des personnes à aller rendre... visite, vous deux. Bah oui, mais rends-nous visite. Ah, juste en dessous de Xiono. Laquelle je vais prendre? Attends, fais voir. Ça fait quoi, ça? C'est pas mal, je veux dire, si tu veux faire une entrée fracassante... What? Il a fait quoi là? Il s'est mis en voyage rapide x2 là? Il est énervé là? Attends. Et là, juste avant que les tirs de blaster ne touchent pour les renvoyer vers les cibles proches. Il est vénère là? J'ai dit.
je crois que j'ai dit que de toute façon je faisais les lames d'abord et puis la force après. De toute façon, ouais. Mais je sais pas quoi choisir entre les deux là. Les tirs, est-ce qu'on en a vraiment souvent? Oh, elle est quand même stylée celle-là. Le mec il passe en x2. Non, c'est quand même stylé. On va la prendre. Les mecs se sont dit, la stance double lame, c'est pas assez puissant. Go le rendre encore plus puissant. Oh bah oui. Come on, buddy. Attends, je suis dans la bonne direction là ou pas? Non, déjà c'est mal barré. Faut aller là où c'est lieu. Raiders don't like the imps any more than we do. Non mais en tout cas c'est clair, la végétation, tous les détails ils sont incroyables. Tout à l'heure on regardait les cinématiques, les expressions de visage des mecs. Attends mais oh, ça fait mal ça dis donc. Oh, il y a un truc là. Come on, Billy. Wow. Mais je meurs là. Je meurs là. Ça va me servir à quoi là? Ah, pour passer? Mais non, mais tu sais, je mets l'autre sens. Ah oui, non, mais bon, d'accord. Mais ça me sert à quoi de. Peut-être pour revenir. Petite astuce pour les shields, tu peux les attraper pour te protéger des tirs de blaster. Ah, c'est vrai. Voilà, la végétation est bien faite. Bah oui. Bah ah oui, d'accord, ok. Là-haut. Oh, grimper au plafond. Ouais, oh, c'est vrai qu'il faut faire Crash Bandicoot. Let's get a drop on these bucket heads. Mais non, pas zéro effort. C'est le jeu qui a fait beaucoup d'efforts, justement. Mais oui, c'est une pépite. Allez. Attends, on va essayer de. On va essayer de. Ah merde. On va essayer de faire ce que t'as dit. Je peux pas. Ah oui, là j'ai plus de force. Non. Vas-y, attaque-moi. Attaque-moi. Voilà, et là. Non, je suis pas assez de force. Hein. Ok, et là. Ah ouais! Je peux. Oh là là, c'est bon ça. Merci, Scan. Ah ouais, je fais un petit effort là quand même, non? Let's take a look. Ah, pas mal ça. Ressentir l'écho. Generations of Raka raised their young here. Then the Empire tore through, shot and trampled anything that got in their way. Astuce d'un pro pour les plots. Je connais pas ça, tiens. Attends, quoi? Les Rauka sont des créatures agressives et belliqueuses, en particulier lorsqu'ils défendent leur nid. Variante forestière incube ses œufs pendant une douzaine de cycles lunaires de Kobo. Et chaque membre défend la couvée comme si c'était la sienne. Cependant, cette génération d'œufs n'a pas survécu à la dure réalité de la planète. Petite prise d'ego, pardon. Non, non, tu peux y aller. Eh, quand on maîtrise son sujet, on a le droit de flex. Moi, je pars du principe que quand t'es bon dans quelque chose, t'as le droit d'être modeste, mais t'as aussi le droit de flexer un peu. Modérément, hein, évidemment, parce que sinon... D'accord. I swear. Come on. Let's get him. You can't keep hiding. Ok, il faut que bon. Ça sert à rien, mais c'est bon pour la forme. The flex is grave réel, sa mère. D'accord.
Activer. Eh bien, activons. Y'a rien qui bloque cette fois ? Nickel. Raccourci. Oh, on va slider. Et après, on va leur faire un petit carré sur la tête. Youpi ! Non ? Oula ! Ah non ! Oh mais non, je m'attendais pas à ça, moi. Et heureusement, heureusement qu'on en a battu un. Maintenant, on sait comment ça marche. Oh non ! C'est dégueulasse aussi. J'ai fait la force. On sent la force. Non, il nous dégueule dessus. Voilà. J'ai vraiment un problème. Faudrait peut-être que j'augmente ma jauge de force finalement. Parce que... elle est vite réduite quand même. Nice. La vengeance du Crash Bill. Crash Bill dans le tempérament. Mais on a lu déjà ça. Non ? J'ai l'impression que des fois on scanne 36 000 fois la même chose, non ? Est-ce que c'est possible que des fois tu rescannes deux fois la même chose ? Ok. Mais il y a certainement un petit coffre dans son terrier. Mais oui ! Non mais attends. All you, BD. Oh, quand même. Ça sert à rien, mais il y avait un coffre. J'avais eu l'antre. Ah oui, du Crash Bill au début du jeu, ouais. D'accord. Ah ouais, pas mal ça. Ensuite, t'as un L2 là-bas. Ici, tu n'as rien. L2 long, alors. Bah, mais là, je peux m'accrocher de toute façon. Je viens d'en avoir la preuve. Ici. Pareil. Sauf que lui, il se rabat. Donc. Faut se brouiller. Là. Il peut s'accrocher. Parfait. Ça va, je fais assez d'efforts à ton goût, Lascan ? Même avant qu'elle était damagée, il n'y avait pas moyen que Z pouvait faire cette journée. Of course, back in Kree's day, there was no empire to contend with. What I would give to see a glimpse of that galaxy. Oh, ils sont mignons. Vous avez toujours des pattes de poulet, mais... GGB. Oui, je connais les scans par cœur, et alors... Ouais, mais j'avoue. Je fais mieux hier. De toute façon, on scanne. Easy. I'm not looking for trouble. Oui, non, mais j'allais pas te... Don't worry, I won't hurt you. Oh, il fait les grandes oreilles. Il fait le petit museau. Si j'étais un Jedi, toi, qu'est-ce que tu me dis ? Ne parle pas en message codé, Scan. Je te comprends pas. Risque et recherche. Il y a suffisamment de rations et de provisions ici pour entreprendre un voyage difficile de plusieurs jours. Divers instruments scientifiques et outils de cartographie ont également été... laborieusement emballé pour le voyage. Don't worry. Ah, toi, d'accord, je parle à moi. Je crois que tu me disais toi. Moons, fight. Donc, je parle à toi là. I came to see that incredible High Republic structure. Didn't expect to have to fight off beasts with my field journal. Sorry, rambling. Bad habit. I'm Toa, by the way. I'm Cal. This is BD1. Listen. The Empire is not going to be happy. Ça me fait rire ces trucs, désolé. Why don't you head back to the Reach? I think I will take you up on that. Je m'appelle toi. Ne pas rigoler. Vive les Twi'lek, oui. Je signe pour les Twi'lek, oui. Alors, tu as le droit. Je pense qu'ils ont été faits pour ça, de toute façon. Pas se le cacher, c'est comme les Ewoks, pas pour Simp, mais pour la merchandising, tu vois, par exemple. Mais... les Porgs, par contre, c'est sacré. Là, on me l'enlèvera pas, je suis désolé. Les Porgs, c'est sacré. Ah, mais oui, toi, bah oui. T'avais jamais capté, mais non.
me déçoit, ce gars. Zéro effort. Bon, raccourci débloqué, oui. Parce que de toute façon... Mais... Là, comment je peux savoir? Parce que là, si je continue à gauche, je vais pas du tout vers l'objectif. Ouais, je continue tout droit, non? Mais il y a l'air d'avoir des vestiges. Là, je vais pas du tout à l'objectif. D'accord. Catch what they were shooting at? A spy droid. J'avais sorti mon sabre exprès. Someone else has eyes out here. Maybe the raiders. Ah oui, la VO. Ouais, t'avais pas pensé, un truc en français. Mais si, je me souviens vers quel objectif on se dirige. Ça va être bien. Oh, alors ça fait 2 heures de live. On va s'arrêter. Je vais mettre un petit cliffhanger pour la prochaine fois. À dans 2 semaines. Non, en vrai, c'est loin ou pas? Parce que moi, je veux bien y aller, hein, mais je vais pas m'éterniser. Pas. Mais en même temps, j'ai envie de voir quand même. Je vais te taper. Ça y est, ça devient violent. Attends, mais c'est un Yeti là. Attends, attends. C'est pas le. Mais calme-toi. Je te. On s'est même pas présenté. Est-ce que c'est pas ce genre de machin qui a. Je veux dire, au début du 5 là, sur Hoth. C'est pas. On dirait, non? Pourquoi vous voulez me taper? Je suis gentil. Je me souviens de lui aussi. Ah ouais. Je ramène Claude, tu vas voir qui finit. Oh, vas-y. Hein. Il m'a bien saoulé. Bah, il me saoule déjà. On dirait la même créature, tu sais, qui a capturé Luke. Attends, mais. Oui, non, mais. Là-bas, moi. Mais j'ai l'impression que l'objectif principal est à droite et que là c'est limite secondaire là, non? I don't know. Wampa des forêts, quoi. Ouais. Un mogu, c'est une autre espèce de Wampa. Ah, d'accord, Wampa, c'est ça le. Ok, je viens de comprendre. Alors, attends, attends. Il va se calmer, lui, non? Pas lampe là. Hey Charlie. Wow. Chocolaterie est prête là. Laisse-la tranquille. Viens là. Je te fais une marque dans le dos. Je te jure, je vais le faire. Ah, t'étais prévenu. Hein. Comment j'actionne mon. Attendez. Et. Attendez. J'ai vu que ma jauge de berserk là, elle était jaune. Je me dis, je vais l'activer. Comment je l'active? C'est pas les deux joysticks normalement? Et pourquoi maintenant elle est déchargée? J'ai pas compris là. L'ego en prend un coup. Ah ouais, moi non plus, je ne voulais pas l'esquiver. Ouais, t'as vu? Tu perds ta jauge. Ouais, mais elle était jaune là il y a 2 secondes. Mais. Attends, mais. Mais t'as beau esquiver, il te retourne. Mais attends. Wow. Se calme, ouais. J'ai quand même envie de le battre, mais il m'a l'air un peu trop compliqué quand même, non? C'est vrai, t'as vu ça? T'as vu comment. J'étais un pantin, quoi, pour lui. C'est comme un ultime, il faut que tu l'actives si tu sens que tu vas crever. Ouais, ouais, bah là je l'ai senti, oui. T'as fait la même que moi. T'es en mode, je veux te battre, mais en même temps, je suis un peu en train de mourir, quoi. Au bout, c'est une horreur. Beaucoup de points de vie et des attaques très rapides et puissantes. Mais tu sais, je me dis que.
Écoutez, je vous laisse le choix. Soit on va vers là où on se dirige, semblablement où Elston semble hype, ça. Soit je m'entraîne à le tuer lui. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Les deux. La technique du rat. Oui, non, mais c'est pas mal, mais... Ouais, mais non, pas les deux, là, parce que... Est-ce qu'on aura le temps de faire les deux, t'es sûr, là? Parce que moi, ça me chagrine, quand même, mais il me laisse pas le temps de réfléchir. Je veux bien essayer, hein. Mais il me laisse pas le temps de réfléchir, lui. Saute dessus pour lui faire perdre énormément de vie. Tu remontes et tu... Ah, c'est ça la technique du rat. J'ai cru que c'était fuir. Oui, d'accord. Bon, on va... Non. Non, je veux le battre à la loyale, mais on va lui faire quand même une descente en rappel. On va prendre un peu d'avance. Le pire... Moi, je pense qu'il est pire que la deuxième sœur. Vraiment, ben là, t'esquives, ça marche pas, quoi. Ouais, bah, un peu quand même, non? Un petit peu d'avance. Par rapport à ce qu'il m'a mis dans la gueule. De toute façon, oui. Et le pire, c'est qu'il y a tout le chemin à refaire après. Bon, c'est pas très long, mais quand même. Et c'est pas comme si tu popais juste à côté, quoi. Petite astuce, le double lame, c'est pas ouf en combat singulier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Essayons le simple. Oui, non, mais le maniement double, oui, non, mais ça, je m'en souviens. Ne pas paniquer. Juste que je récupère mes points. Alors, paniquons pas. Raté. Au secours. Non! Bon, moi, j'ai résisté trois fois plus de temps que la dernière fois. Aïe, 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 ouais, comme tu dis, ouais. Mais déjà, avec le sabre simple, ouais, c'est peut-être pas trop mal. Bon. On va éviter de faire le malin. Si mes calculs sont corrects, on passe ce fight en 2024. J'ai tellement envie de te faire mentir quand tu dis ça, tu vois. Mais en même temps, je peux pas aller au-delà de mon skill, quoi. Si je l'ai pas, je l'ai pas. Mais non, qu'est-ce qu'il fout? Mais oui, je l'ai pas. Mais non, mais... C'est pas vrai. Mais non! Ah merde, c'est vrai que je peux pas... Ah. Non! Right here, BD. Needed assist. Non! Je devrais voir venir, putain. Je suis presque mort.
Attends. Quoi ? Eh, double lame quand même, hein, je préfère. Mais j'avoue que le maniement était meilleur. Alors, 2024 2024, ça fait pas d'effort et tout ça. Je t'écoute, Scan, là. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que tu joues pas en grand maître. Oh, oui. On sera encore sur le croissant. L'attaque où il prend les papates esquive là sur les côtés. Ouais, bon, de toute façon que, bah, que je l'esquive un peu n'importe où. L'impression que... Mais esquiver, de toute façon, c'est rond. Faut juste que je dirige le joystick, non ? GG, merci. Vu qu'il fait un bond en avant. Et tu veux dire comment ? C'est-à-dire, faut que je saute en fait. Comment t'esquives sur le côté? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Clo, promis. Elle m'a forcé en MP. De quoi? De dire GG? Compris. Bon, par contre, je suis presque mort en fait là. Ah oui, mais. J'allais dire, je vais retourner là-bas pour aller me soigner. Le truc, c'est que le machin là, il va réapparaître. Comment on va faire? Parce que là, on est mort, là, en fait. Là, si on croise ne serait-ce qu'un ennemi, on est fini. Tu me donnes de la vie, toi? Je rêve un peu, hein, je sais, mais... Never have enough of these. C'est un truc en plus, non? Ou on peut en avoir plus de 3? Je sais pas. Oui, non, non, oui. Oui, on peut en avoir 4. BD, got something to help me. Et là, c'est bien tombé quand même. Je pense qu'il savait. Il le savait, les mecs. Pour esquiver sur les côtés, orientez votre joystick sur la gauche ou la droite et appuyez à 2 reprises sur la touche d'esquive. Ah, c'est vrai? Ouais, mais je pense que quand t'es en combat... Oui, oui, d'accord. Ça doit être quand t'es loqué. Just a forest full of beasts and suffisait de demander, bah ouais, tu vois comme quoi. Bon, et donc là, on arriverait vers quelque chose de sympa. Ah mais non, c'est que justement, c'était pour ça. C'était pour ça, en fait. Là, maintenant, faut que je suive l'objectif principal. Parce que là, je peux pas aller plus loin. Mais d'accord. D'accord, je peux pas aller plus loin. Là, c'était vraiment pour cette surprise-là. Et puis là, hop, on redescend ici. Bah oui, ça paraît naturel. Et puis là... That must be another one of those High Republic chambers. Bah là, on peut s'accrocher à la corde, en fait, finalement. Tarzan. J'y ai pas cru dans le truc. Mais bon. Ok. Mais bon. Je suis le Tarzan des temps modernes. Laissez-moi un peu. Faut que tu cibles. Oui, bah, regarde. Passé. Sympa, oui, mais ça va être long encore. Ah. Bon, dans ce cas, je pense qu'il va falloir trouver un point de sauvegarde. Et puis, on s'arrêtera là. À part si là, je me dirige tout droit dans un truc qu'il faudrait pas, là. Faut que je sauvegarde, c'est ça? Bon, lançons les paris. Ils sortent de la salle en quelle année? Non, en vrai, est-ce qu'il y a un truc pour sauvegarder dans la salle? Bon, je suppose que oui, quand même. Bon, allez, vas-y. Dans 2 semaines. Ouais. Elle est confiante, Wellston. Parce qu'elle sait que c'est dans 2 semaines que je vais rejouer. Que donc, ce sera la prochaine session live que je sortirai de la salle. Non, mais je te remercie, Wellston, c'est sympa. Welcome, Jedi. Centauri Cree. Ah ouais, on a même des ordres. The path that we must walk is not always immediately visible to us. Only through patience, careful thought, and the wisdom of the Force will the way appear. That the way appear. Oh my fucking god. Non mais ouais.
au tout début, quand on voit ces espèces d'infrastructures, je m'en voulais de pas avoir pensé à la Haute République. Alors bon, on connaît pas bien encore pour le moment. On a vu ça que dans... Enfin, et encore, moi j'ai lu des romans, j'ai pas... Bon, très peu. Si, allez, le manga de la Haute République, enfin avec... C'est peut-être le seul là que... Où j'ai pu avoir peut-être un peu de visuel. Alors après, sur YouTube aussi, on a les visuels, mais... Ayav de rétine explosée. Bah oui, non, mais c'est bio. C'est... Puis même la luminosité et tout, c'est assez... Ouais, c'est co-bo... C'est co-bio. C'est cro-bio. Je vous dis, dès qu'on voit un truc pour sauvegarder, on s'arrêtera là. Alors profitez de vos yeux, là, parce que... Est-ce que c'était là que je devais le mettre d'abord? Nous ne saurons que lorsque nous irons. On va dire que oui. Mais alors ça veut dire que celui-là, là. Ok, j'ai compris. En fait, lui on l'a récupéré pour que... Bah, tiens. En fait, on l'a récupéré pour que... Comment je fais? Ah oui, non, oui, c'est comme ça déjà. Ça. Pour que lui, bah, on le laisse là. Et que lui, bah, on traverse avec, quoi. Let's go. Ah, mais faut pas me sous-estimer dans les énigmes. Même si là, c'est rien. Là, c'était même pas une énigme. Là. Ça dépend des fois. Des fois, je suis vraiment nul à chier. Et des fois, ça va. Bon, là, je viens de me rendre compte que c'était peut-être une connerie, tu vois. Et que peut-être que finalement, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. So, they believe something is behind the abyss? That's right. A planet. Well, I hope it's worth all this effort. Deux Jedi discutent des progrès du projet Abyss et se demandent si son succès potentiel justifie le niveau d'investissement actuel dans Kobo. Alors, j'ai pas acheté le beau livre de Toulard de la Nouvelle République. Eh bien non. Ah bah let's go pour le prochain point de sauvegarde, je signe. Non, attends, t'es sérieuse là? Moi je pensais qu'il y en allait en avoir un au début là. Il donne pas envie de s'arrêter. Donc d'un côté, il y a Wellstone qui fait « Oh, de toute façon, il est loin !» Et d'un autre côté, il y a Scan qui fait « Oh, mais quand il va y arriver, il pourra pas s'arrêter. » Non mais vous m'aidez pas là, hein. Comment je fais? Moi, j'ai faim, là. Vous voyez? Comment je fais? Je meurs de faim? Ok, bon, je vais faire la grève de la faim, si vous voulez. Ok, donc apparemment, il y a un projet des abysses sur Kobo au moment de la Haute République. Fais ton geek, mange et stream. Non, mais je peux... Je m'interdis de manger là, parce que sinon, je m'en fous partout. Et puis, en plus, les vendredis, c'est sacré, c'est pizza. Qu'est-ce qui lui arrive? Arrive mon gars, si jamais je veux repasser là tu bug. Donc oui, je veux bien me commander une pizza, manger en live, mais après non ça va pas. Un jour je ferai ça, un jour on fera des lives. Comment ils font là, ils parlent des lives H24 là. Meurs de faim, j'aime pas la pizza. Oui tu l'as déjà dit. Bah, ouah, attends, hé, 2 secondes, ma bouboule elle est où là? J'ai perdu ma bouboule. Elle est où? Bah attendez, ma bouboule. Bah, j'avais pas une bouboule. Mais oui, je l'avais amenée pour là, justement. Arnaque! C'est de l'arnaque. C'est vraiment de l'arnaque. Tu peux arrêter. Vous avez vu la boule là qui s'est... Je pense que le jeu il a bugué. Bugué là. Non mais c'est du bug là. Je pense qu'il a bugué. Franchement, c'est normal ça ou pas?
te rassure, il a pas bugué. Ah. Ok. Non mais faut arrêter avec ça, Wellstone. Moi je te crois après. Non, en fait, je pense que je te crois. Ok, non, en fait, je te crois, Wellstone. Je crois que j'ai compris. C'est juste qu'on est dans des vestiges de la Haute République et que c'est juste tout niqué, en fait, le machin. C'est ça, hein? Celui-là, c'est un bug? Celui-là, non, c'est normal. Ouais, d'accord. D'accord. Mais... d'accord. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Ouais, donc le premier c'était un bug. Bah, au moins c'est réaliste parce que bon. Non, c'est réaliste. Juste pause. La musique actuelle, je crois que c'est ma préférée du jeu. Vrai ? Pas ouf comme Discan, non je plaisante. non, très très belle. Ça fait quoi ça? Ah, d'accord. Oui, donc. Là, si on n'est pas bien con, faut tirer, quoi. Voilà. Mais, là-bas, il y a un truc pour mettre une bouboule. Je sais pas pourquoi, mais... Et là-bas aussi. Oui, bah après, je pense qu'il y en a beaucoup. Tu dois beaucoup aimer. Là, il y a un petit coffre, là. D'accord. Alors, peut-être que le chemin, le vrai, c'est là-bas. Mais là, on a ça pour ensuite aller à droite et aller récupérer le coffre. Je suppose. Ah non. Ah non. My Padawan is impatient. Weren't we all once? The question is, how will he overcome it? T'as limite l'impression de vivre un roman en fait en live des fois. Bah, parce que bah, moi je connais que ça de la Haute République, mais. Mais je peux rien dire là, ça spoil. Ah, oui, oui, non, pas de spoil. Est-ce qu'on peut. Bizarre ça. Mais attends. Parce que moi il y a un truc là. Il y a un mystère que je veux élucider. Un machin. What? Un truc qui est apparu ici là. Ok. Oh. Ça sent. Baisse-toi. Mais il y avait le symbole. Bah on le voit là, mais c'était trop beau. Dextérité. Ah, un nouvel avantage. Bien ça. Non mais... Ok. Donc là. Alors du coup maintenant c'est l'autre côté qui m'intrigue. Ah là là. C'est quoi le bon côté? Bon, de toute façon on verra bien. J'ai dû louper des trucs, hein, mais écoute, j'ai envie de faire mon tir scan. Je trouve ça bizarre d'ailleurs qu'il te donne les deux avantages du puissant dès le début. Ah,
Bah, c'est peut-être pas plus mal. Mais tu l'as déjà équipé et l'autre pas encore. Ouais. Bah, écoute, bah, s'il y en a vraiment pas des plus puissants, bah, ça va m'éviter de... Attends, mais je suis revenu là. Mais c'est pas possible, nickel. J'ai pas compris, là, le... Ah, c'était un raccourci, le truc, là. Ah bah oui, c'est vrai qu'on était descendu par là. D'accord. Ok, bon bah très bien. On reprend la bouboule. Bien la bouboule. Tu vas te mettre gentiment ici. Et on va aller là. Regarde-moi ça, comme c'est éclairé, comme c'est bio. Oui, tu peux me... Oh! Find something? Secrète. Une phrase gribouillée sur un mur dans un langage chiffré enfantin à décoder. On se retrouve à l'endroit habituel plus tard? Ça veut dire ça, là? C'est mignon. Celui que t'as récup, je trouve pas ouf. Ah, d'accord, donc tu veux dire qu'il y en a un autre qui est pas très loin? Another data disk. Attends, mais en fait... Attendez, mais... Il n'y a rien d'autre à faire, en fait, ici. C'est moi qui débloque ou j'ai raison, non? Bah tiens, je pensais qu'il y avait autre chose à faire, en fait, là. Faut que je revienne. Deuxième perk que je trouve très fort. Tu l'as loupé au début du jeu. Ah! Dans une quête annexe. Ah, d'accord. Bon, mais alors là, en fait, il faut revenir, quoi. Donc, mais à quoi servait cette salle? Et pourquoi vous m'avez dit quand est-ce que vous pensez qu'il va ressortir de la salle? C'était pas bien compliqué. Si vous pensiez que j'allais être bloqué là-dessus... Bien, j'ai même fait mentir Weston. Elle pensait que j'allais sortir il y a dans 2 semaines. J'ai sorti ce soir, quoi. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que ça, c'était de l'annexe, ça. Ça, c'est de l'annexe. Naa. Comment ça? Non, en fait, il fallait que j'aille là-dedans pour débloquer un truc à l'extérieur, non? C'est ça? Vous êtes aussi énigmatique que le jeu, hein? Qu'est-ce que je fais là? Je peux pas descendre là. Bah, clairement, je peux faire un double saut, mais... Ah, il a décidé que je mourrais quand même, d'accord. Ah bah non! Bah non, les mecs, le jeu a dit que j'étais mort, donc... Oui, bon, vous... Ok, Ah ouais, regarde ta map objectif. Ouais, d'accord, ok, mais oui. Mais mon objectif, il est... Ah oui, il est là. Entrée de la salle de méditation. Ouais, t'as des niveaux en dessous, ouais. Alors, ce serait donc bien là, quand même. Ah, il y a cette nouvelle mécanique qui donne envie de se fissurer le crâne en deux. De quoi? Des fautes d'un mec, tu vas en avoir constamment. Ah ouais.
Des fois, je trouve ça ridicule, tu verras plus tard. D'accord. Donc, attendez. C'est en train de me dire qu'en fait, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai pas vu là-dedans, là. Salut, Vanji. T'es pas au lit? Mais non, Kishni, c'est le week-end. Je suis là, moi. Tu profites du vendredi soir, c'est bien, ça. Ah mais attends, mais c'est ça que j'avais vu tout à l'heure aussi, que je trouvais bizarre, j'ai pas essayé. Mais non, mais pas ça, pas ça, mais pas ça. Moi aussi, normalement, je profite de mon vendredi soir à manger une pizza, Vanji, mais je suis retenu en otage par deux padawans. C'est ça que j'ai pas essayé tout à l'heure, là. Ça, là. Ah bon, dans l'histoire, c'est plutôt moi le padawan, parce que vu comme je galère... Ok. C'est trop fort. C'est dit, mes yeux picotent déjà. J'ai pas compris ton histoire de pizza. Non, c'est juste que les vendredis soirs, je me fais des pizzas. Enfin, des, on fait une déjà, c'est déjà pas mal. Bah là, je commence à avoir faim. Mais en même temps, je suis intrigué. Et en même temps, voilà, je veux continuer. D'accord, donc c'est pas du tout un truc pour mettre un machin. Cette pièce m'intrigue, hein. Dit. Ah, Spider-Man 2. Bah, je l'ai toujours. Bah, je l'ai pas fait. Je l'ai pas tout court. Attends. Attends, quoi? C'est ouvert là-haut, là. Il me faut une compétence spéciale pour pouvoir entrer dedans, non? Concentre-toi. Bah oui, bah quoi, tu connais l'astuce toi aussi? Travaille le cerveau, Kishni. Ouais, non mais par contre, faut pas trop me donner l'astuce en fait, Vanji, parce que tu vois là maintenant, bah je connais l'astuce. Voilà. J'aurais dû trouver tout seul en fait. Sauf que là, ouais. Un peu loin, non? Bon, essayez. Ouais, d'accord. Bon, bref. Non, bah, de toute façon, faut passer de l'autre côté. Mais je dis ça, je sais pas. Il y a 5 mois. Ah oui, mais là, maintenant, ça me paraît logique, non? Ça me paraît logique de se mettre là, parce que tu vois, t'as un petit renfoncement ici. Bon, allez. Non, tu peux pas. Okay. Je sais pas. Pas, ça me paraît logique maintenant, non? Bon, il veut pas récupérer. Ah! Il veut pas récupérer! Ah bah oui, bah d'accord, bon, alors très bien. Mais il faut que je ramène une autre bouboule, quoi. Mais bon. Pourquoi faire simple?
J'avais vu ça. Oui, parce que ça... Non, j'avais pas vu ça. La végétation de ce jeu est bien. Ok, ok, oui, d'accord. C'est bien ça, ça me donne un indice sans trop m'en donner, tu vois. C'est pas mal ça. Alors, bien sous. Salut toi. I've never known Centauri Cree to shirk from a challenge. No, and she seems exceptionally driven by this particular task. Par curiosité, ça fait combien de temps que tu es là? Non, ça fait 20 minutes. Je suis même ressorti à un moment, je pensais que j'avais fini, mais non. Ouais, 20 minutes, tu vois, je prends pas. Et là, le truc il bug, donc bon. Non mais, ce qui se passe souvent, c'est que quand... Ça me fait peur. Ce qui se passe souvent, c'est que quand je fais des... Ah, d'accord. Ça, c'est un mur pour marcher dessus, ça. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Ok, oui, d'accord. Oui, et puis il y a l'étage, ok, d'accord. On dirait des murs pour marcher dessus, là. On peut même faire un... Ah ouais, attends. Attends, en vrai de vrai. Attends, mais partout en fait. Attends, tu veux dire que tu peux gruger le jeu? Bah oui, ouais. Bug pas, bah oui. Ouais. Non mais je viens de comprendre. Ah oui, là ça fume, hein. Ouais. Non mais je viens de comprendre. Faut juste que maintenant je me dise ok, dans quel cas je fais l'un ou l'autre, quoi. Parce que bon, là par exemple, je vois que je peux revenir par là. Ok. Parce que ça je viens de le voir. Mais je peux aussi remonter par là. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Ah oui, on l'a dit. En plus, là, tu peux même remonter par là, quoi. Ce qui veut dire que, bon, bah, si tu veux... Mais je les vois, les murs, vous en faites pas, je vois comment... Mais juste, je me dis, ok, il faut que j'amène une autre boule là-haut. Oui, d'accord. Mais après, ça m'avance pas plus, quoi. En fait, une fois qu'on a fait le jeu, c'est clair, ça paraît... Ah oui, c'est toujours comme ça. Je comprends qu'il chenille, franchement, c'est pas évident sur le coup. Parce que j'ai galéré aussi. Bah... Comment dire, je... Bien souvent, je cherche toujours trop compliqué. Donc en fait, là, si vous voulez, depuis tout à l'heure, je m'efforce à me dire, cherche pas compliqué.
Parce que je me connais. Mais là... Là, on peut pas aller sur mur. Mais par contre... Là, je peux pas sauter là-bas, là. Je crois que j'avais glitché sans faire exprès car je n'ai pas du tout utilisé les murs. Ah ouais ? Courir dessus. T'avais certainement réussi à avoir la bouboule. Par contre, il y a une autre chambre où il faudra vraiment chercher compliqué, je te rassure. Ah, ça, c'est pour moi, ça. Toute cette réflexion est partie d'un point où tu te demandes comment avoir une boule. Oui. Bah oui, parce qu'en fait, à la base, moi, je pensais que c'était ça. Le truc qui clignote, non mais en fait je vous partage pas toutes mes pensées parce qu'il y aurait trop à dire, mais je vois des espèces d'astuces, genre là je me rends compte qu'en fait je devrais pouvoir monter en haut et qu'après en fait je peux redescendre et je peux arriver jusqu'à cette plateforme là-bas, donc ça me servirait pour ne pas avoir à passer ça. Donc en fait selon moi, là, cette boule là, je limite la foutre là. Bon, là, je suis pas sûr. Hein. Là, je. D'accord, de toute façon, elle est tombée, donc. Voilà. Mais. Selon moi, enfin, je sais pas. Je tente quelque chose. Hein, je. Voilà. Si elle disparaît pas, parce que si c'est pas. C'est pas du tout là qu'il faut qu'on la mette à disparaître. C'est ce qui s'est passé. Ok, d'accord. Je veux voir quelque chose. On va... Mince. En bas là. Je vais éviter de vous dire. Parce que j'ai peur d'avoir trop d'indices, je peux trouver par moi-même. Je pense que je sais. Mais... Parce qu'en fait... Là, il faut y aller vite. Et après, aller sur le mur. En fait, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire ça. Il faut faire ça. En fait, c'est fait exprès. Hein. Ensuite, après, tu vas... Tu fais ton petit saut mural, bon, là-haut, etc. Ensuite, tu viens ici pour récupérer la boule qui est en bas. Et donc juste ici. Là. Ah mais je vous ai dit que je réfléchissais quand même. Et là, maintenant, je vais pouvoir la mettre là-haut. Non ? Ben voilà. Par contre. Je pense que là, la bonne chose à faire, ce serait pas de faire ça. Là, je peux le laisser là. Enfin, après, peut-être qu'il va se remettre là-bas, mais limite, on s'en fout. Parce que là, le vrai truc à faire, c'est ici de remonter avec ça. Comment ça, au nom ? Ça ou non? Quoi, tu voulais vraiment que je mette dans le. Enfin, je peux si tu veux, hein. Mais moi, je voulais essayer de la mettre à partir de la passerelle.
que là, ça va être beaucoup plus simple. J'ai juste à me mettre sur la passerelle et je le mets dedans. Non ? Là, au moins, je me casse pas le cul à viser. Juste là. Je veux dire. Non ? Alors ? Regarde, en plus, là. Juste là. Donc, pourquoi ? Oh non ! Non mais oh ! Ah, j'ai cru que t'allais encore galérer. Non mais c'est pas possible. Attends, mais vous allez me dire, c'est juste pour ça, là ? Y'a rien d'autre ? Alors, ça dépend ce que c'est, mais... Attendez, vous m'avez vraiment fait revenir pour ça ? Je vais vous tuer ! Je vais vous tuer ! Bon, après, c'est une énigme. On va faire comme Wellstone. On va voir le verre à moitié plein. Là, j'ai du mal à te croire, Wellstone. Non, c'est pas pour ça. Je sais pas pourquoi, là, j'ai beaucoup de mal à te croire, là. Aïe, aïe, aïe. Bon, je me rappelle de ce qu'elle me dit, sinon, regarde ton objectif. Oui, il est là. Mais, en fait, c'est faut passer par là, quoi. Hein ? Mais oui. Faut y passer par là, hein. Là, y a rien d'autre à faire ici, hein. T'es pas allé au bout du couloir. Objectif de map ? Attendez. Attendez. Mais là, c'était fermé tout à l'heure. Puis là, on revient ici ? Vous me tuez. T'es pas allé au bout du couloir. Tu vois un autre couloir, toi ? Il te manque un écho. Et tu vas me dire que dès que j'aurai tous les échos, c'est bon, ça va. Oui, ce jeu rend dingue quand tu stream, oui, oui, oui. Je te conseille de la récup pour éviter de revenir. Ah ! Mais où est-il ? Les échos, t'es sûr ? Mais pourquoi je reviendrais pour un écho ? C'est des trucs annexes, non ? Parce que si tu penses que moi un jour je vais faire 100%, c'est non. Non, mais non, Scan, mais non. Non, je le 100% rentrerai pas. Je te le dis. Déjà, de 1, je n'y arriverai pas. Et de 2, là, ce sera plus 2039. Là, il me faut une deuxième vie, là. Je me pose la question. Je l'ai fait, ce machin, là-bas, là ? Ah, mais oui, c'était pour récupérer la première boule au début. Il y a un truc en bas. Est-ce que tu me parles de ça, là ? Parce que ça, c'est ce que j'ai fait au début, c'était pour récupérer la bouboule. Saute. Là ? Bah non. Tout en bas. Oui, non, mais je me suicide tout en bas, Vanji. Tu veux que je t'explique comment ça marche un suicide, ou... Bon, en tout cas, et si c'était pas tout en haut ? Sauf que c'est de là d'où on vient, en fait. Donc non. Non. Faut que j'arrête d'être naïf, en fait. Arrêtez de me convaincre qu'il y a quelque chose quand il n'y a rien. C'est possible, ça. En fait, il veut juste pas que j'arrête de stream. Vous êtes vraiment... En fait, depuis le début, l'objectif principal, c'était pas du tout là. Ça, c'était une petite énigme annexe. Donc, vous me faites croire que je connais pas les jeux vidéo. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Allez, on refait Tarzan moderne. Allez, hop. Et on va aller à l'objectif. Prochain checkpoint, c'est plus proche que celui que t'as déjà pris. Ok. Parce que la suite c'était là. Hein. La suite officielle, elle est là. Même quand tu crèves, il te met là. Et de toute façon, il y a un point de sauvegarde ici. Donc, bah écoutez, je crois que c'est le moment. Non, ça c'est pas la suite. Comment ça c'est pas la suite? Bah arrêtez. Je voulais aller voir les avantages. Les lancers de sabre laser infligent plus de... Bon, oui. Oui. On va dire oui. C'est bien ça. J'en fais quand même pas mal. Donc... Ready to go. Oui, il est bien. Bon. Bah, je pense que c'est l'heure, hein. Non? Vous croyez pas? Tu peux quand même, hein. Oh oui. Se reposer, ça sauvegarde automatique, non, je crois? Oui, ça a sauvegardé, je pense. Et quand même. D'habitude, je fais 2 heures, là j'en ai fait 3. D'accord? Mais c'était intéressant. Vous êtes foutus quand même un petit peu de moi, mais je vous pardonne. Et en plus, on avait, y avait une énigme. C'était intéressant, j'aime bien. Quand c'est bien équilibré entre pas trop dur, pas trop facile. Bonne soirée, bonne pizza. Bah, merci, merci Vanji. C'était beau, c'était bio, c'était Kobo, c'était Kobio, c'était Chocobio, Chocobio aussi. Là, on peut en faire un paquet. Bonne soirée, Bébou. T'y mets pas, Céd, t'y mets pas. Non, pas toi, ne passe pas du côté obscur du bébouisme. C'est cool, la planète haïtienne. Ah mais oui, non mais là, j'en ai pris encore plein les yeux, ça c'est sûr. Mais ouais, bon. Allez, il est temps pour moi de retourner... prier au temple. Voilà. Et ben je reviendrai dans 2 semaines. Alors, bien sûr, dans 1 semaine, c'est 1 semaine sur 2. Hein, 1 semaine sur 2 gameplay, 1 semaine sur 2 les chroniques. Voilà. Et puis, ben, je vais mettre la rediff de ce live demain, je pense, si je peux. Bonne pizza dans Skype. Ben, merci, Wellstone. Et puis, ben, merci tout le monde d'avoir été là. J'aime bien parce que, vous savez... Moi, quand je vois quelqu'un qui stream sur un jeu, qui galère, j'ai beaucoup de mal à m'empêcher de lui dire la soluce parce que je prends un peu pitié. Mais vous, vous êtes un peu taquin et vous me dites pas en fait ce qu'il faut que je fasse et tout. Mais c'est très bien. C'est très bien. Quand je suis en train de galérer, je me dis putain, ils pourraient me donner des indices quand même, c'est vraiment des fourbes. Mais avec du recul, je me dis c'est bien parce que si, parce que tu vois quand Vanji t'est arrivé, tu m'as dit ah tiens, faudrait peut-être mettre une boule là-dedans. Je me suis dit là, je me suis senti en mode ah ouais, mais en fait j'aurais préféré le deviner. Donc vous faites bien, c'est bien. Continuez à me faire galérer. Qui aime bien châtie bien, je comprends. Et moi je vous aime bien quand vous me faites chier. c'est un peu bizarre, mais voilà. Allez, bon bah écoutez, bonne soirée à vous, bonne nuit. Et puis, bah moi, je relive demain, 22h. Enfin, 22h. N'intéressera que les personnes que ça n'intéresse. Ce sera du Genshin. Voilà. Je vais être avec Krix, Nécoline, certainement. Peut-être d'autres personnes. On va faire les abysses, etc. Voilà, on va s'éclater. Bonne nuit, bébou. Bon, bah, bonne nuit, les bébous. Oh, putain, j'y crois pas. J'espère que Twitch va me ban, rien que pour ça. La bonne pizza, merci. Allez, salut tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.